Chers amis, nous avons l'honneur de nous entretenir avec un homme de Dieu sur le thème le combat spirituel. C'est un enseignement extrêmement riche que je vous invite à suivre jusqu'à la fin. Bonjour homme de Dieu. Pouvez-vous présenter à nos internautes. Bien aimé dans le Seigneur, je rends grâce à celui qui m'a choisi, à Jésus-Christ notre Seigneur et Maître, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant apôtre en ces fins des temps, en me confiant la tâche de réveiller son peuple, et de ramener le cœur des vrais enfants de Dieu dispersés au Père céleste avant le son de la trompette. Il a plu à Dieu le Père à travers son Fils Jésus-Christ, de me révéler sa parole, afin que vous et moi retournions à la vérité, à l'évangile non dilué, tel que nos premiers frères l'ont vécu. Je bénis donc le Seigneur qui m'a permis non seulement de ramener son peuple à la vérité, mais aussi de condamner ceux qui étaient à l'aise dans le faux évangile et faisaient semblant d'être ignorants, afin que s'accomplisse la prophétie de l'Éternel dans Malachie 3h18, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Maintenant que vous avez eu suffisamment d'enseignements pour devenir des enfants de Dieu fondés sur la saine doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ, je peux sans beaucoup de réserve éveiller votre esprit par rapport au combat spirituel dans lequel nous sommes tous engagés. Merci pour l'introduction Homme de Dieu. Mais qu'est-ce que le combat spirituel Le combat spirituel, c'est la vie que nous, enfants de Dieu, sauvés par grâce, et couverts par le merveilleux sang de Jésus-Christ, le seul vrai Seigneur, sommes appelés à vivre dans ce monde étranger, au milieu des loups, des serpents et des scorpions, que représentent Satan et tous ses agents. Le combat spirituel n'est donc pas une chose à laquelle l'enfant de Dieu peut échapper, ce n'est non plus une guerre que nous pouvons éviter, en faisant par exemple la paix avec Satan. On ne peut jamais faire la paix avec Satan. Satan n'est pas le Dieu de paix, il est plutôt le Dieu de guerre. Satan a raté le ciel, l'enfer lui est réservé. Son unique mission maintenant est d'emmener tout le monde, sinon le plus grand nombre de personnes avec lui en enfer. Il n'a rien à perdre dans ce combat, mais tout à gagner, et il n'a que cela à faire, en attendant le jour où le Seigneur l'enverra dans les temps ardents de feu qui ne s'éteindra jamais. Sachez alors que chaque enfant de Dieu est, qu'il le veuille ou non, impliqué dans ce combat. Ceci veut dire que si vous combattez Satan, il vous combattra, et si vous ne combattez pas Satan, il vous combattra. Dès lors, que vous combattiez ou que vous ne combattiez pas, vous êtes combattu. Que faire donc? S'équiper pour le combat et s'engager à combattre. Et je crois que tous les premiers enseignements que je vous ai donnés sont suffisants pour vous équiper à combattre Satan et être vainqueur, parce que ces enseignements ont éveillé votre esprit par rapport à l'apostasie et à la séduction des derniers jours, et vous ont ramené à la doctrine de Christ qui est la vérité, c'est-à-dire la Bible telle qu'elle a été écrite et scellée par le Saint-Esprit. Car l'unique terrain sur, sur lequel chacun doit se tenir pour combattre Satan et être vainqueur, c'est la vérité. Dans cet enseignement, je verrai avec vous comment se garder des attaques de Satan et de ses agents, et comment éviter d'être chaque fois victime de leurs flèches, et ce niveau de combat doit être mené par tous. Nous verrons également comment combattre en victorieux dans le camp de l'ennemi et c'est cela que je choisis d'appeler vrai combat spirituel. Retenez bien aimé, que ce n'est pas par hasard que cet enseignement sur le combat spirituel vient en dernier. La raison pour laquelle cet enseignement vient après les autres, est que le vrai combat spirituel n'est réservé ni aux païens, ni aux chrétiens qui vivent encore dans l'ignorance, ni à ceux qui se plaisent dans le faux évangile, car Satan est un adversaire plus sérieux qu'on ne le pense. Satan est un ennemi redoutable, un adversaire suffisamment fort. Face à lui, notre force, c'est la vérité. Le vrai combat spirituel ne doit donc pas être pris à la légère, et ne devrait en aucun cas être l'apanage des nouveaux convertis. Le vrai combat spirituel est pour ceux qui sont fondés sur le roc, pour ceux qui ont Jésus-Christ, et qui l'ont vraiment. Le vrai combat est pour ceux qui vivent dans la vérité. C'est pour cela que le Seigneur a choisi de nous donner d'abord tous les enseignements qui devaient nous sortir de la religion et de la fausse doctrine. Pour que Satan réussisse ses attaques contre nous, il lui faut très souvent trouver quelques failles dans notre vie spirituelle, c'est-à-dire dans notre marche avec Dieu. Il est donc constamment à la recherche des failles. Et quand il n'en trouve pas, il fait tous ses efforts pour les créer, en nous tendant tous les pièges possibles. Satan qui connaît la parole de Dieu, sait que tant que nous ne violons pas la loi de Dieu, il lui sera très difficile de nous atteindre. Ce faisant, il organise toute son armée pour projeter contre nous des centaines de milliers d'incantations chaque jour, dans le but de nous amener dans le péché, ou dans quelques erreurs, afin que quelques failles leur soient ouvertes dans nos vies. Ce sont ces failles qui leur servent d'accès dans nos vies, que nous appelons généralement portes ouvertes. Qu'est-ce que les portes ouvertes et quels sont les éléments qui peuvent servir de portes ouvertes à Satan Les éléments qui peuvent servir de portes ouvertes à Satan sont nombreux, et vont dépêcher aux personnes, en passant par les animaux, les métiers, et les objets. La liste de ces éléments est longue, mais j'essayerai d'en énumérer le plus grand nombre. Je regrouperai les portes ouvertes en deux catégories, les portes ouvertes par nous, c'est-à-dire celles qui dépendent de nous et dont nous sommes les principaux responsables, et les autres portes ouvertes, c'est-à-dire celles sur lesquelles nous n'avons presque pas de contrôle. 2.1 Les portes ouvertes par nous. Ce sont celles qui dépendent de nous et dont nous sommes les principaux responsables, ce sont celles que nous pouvons éviter, ce sont les choses sur lesquelles nous avons le contrôle. 2.1.1 Le péché. Je préfère ne pas parler des péchés, mais du péché parce que le péché, quel que soit son nom, donne accès à Satan sur nos vies. Il est vrai que la grandeur des portes ouvertes est fonction du type de péché commis. Mais nous devons comprendre que même les péchés qui ne donnent qu'un léger accès à Satan, sont à éviter. Pour ce qui est des péchés qui ouvrent de grandes portes à Satan, nous pouvons citer. La sorcellerie sous toutes ses formes, la magie, l'occultisme, les sectes, l'homosexualité. Les meurtres, y compris les avortements volontaires, les tentatives de suicide, les tentatives de meurtre, y compris les tentatives d'avortement. Les péchés sexuels, l'adultère, la fornication, la masturbation, toutes autres formes d'impudicité et d'immoralité. Le viol, le vol, la haine, la rancune, le refus de pardon, le refus de restitution, et la méchanceté. Tous ces péchés ouvrent de larges portes aux démons, et donnent un très grand accès à Satan sur nos vies. Si certains de ces péchés n'ont besoin que de la confession, d'autres, en plus de la confession, nécessitent réparation. Ceci nous renvoie à la notion de la restitution. La sorcellerie sous toutes ses formes implique la sorcellerie active, la sorcellerie passive, et tout ce qui a trait à la sorcellerie. J'entends par sorcellerie active la pratique même de la sorcellerie, et toutes les formes d'initiation à la sorcellerie, la consultation des morts, le yoga et les autres techniques de méditation et de relaxation. La sorcellerie passive quant à elle regroupe toutes les formes de pratiques indirectes de la sorcellerie telles que visiter les marabouts, consulter les devins et autres voyants, consulter les voyants pour faire parler les morts, lire les horoscopes, la numérologie, tirer les cartes, pratiquer les arts martiaux, etc. Toutes les formes de sorcellerie, de magie et d'occultisme mettent ceux qui les commettent en contact direct avec le monde occulte, et établissent qu'on le veuille ou non, des pactes avec le monde des ténèbres. L'impudicité et toutes les autres formes d'immoralité regroupent tous les autres péchés et souillures sexuelles non citées plus haut. Retenez encore que les seuls rapports sexuels que Dieu approuve, c'est-à-dire qui ne peuvent en aucun cas servir de portes ouvertes, sont ceux faits dans le cadre légal du mariage. Mais n'oubliez pas que même dans le cadre légal du mariage, les rapports sexuels peuvent constituer des portes ouvertes, s'ils s'apparentent à des pratiques purement animales. Sachez très bien qu'un rapport sexuel normal selon Dieu, est un rapport sexuel entre deux personnes de sexe opposé. Sachez aussi que pour qu'un rapport sexuel entre deux personnes de sexe opposé soit un rapport normal, il faut que ce rapport soit vraiment sexuel comme son nom l'indique, c'est-à-dire un rapport entre deux sexes, ou plus clairement un contact entre deux organes génitaux. Dès lors, un contact entre un sexe et autre chose, ou entre un sexe et une autre partie du corps, ne saurait être accepté aux yeux de Dieu comme rapport sexuel. Tous ces types de rapports ne constituent que des rapports anormaux, c'est-à-dire des péchés, même dans le cadre du mariage. Les mariés ne peuvent donc échapper aux portes ouvertes créées par les péchés sexuels que s'ils honorent Dieu chaque fois dans leur rapport, en évitant les pratiques déshonorantes, abominables, et purement animales dans lesquelles plusieurs se lancent parfois. Le mariage n'est pas un feu vert pour la folie. Toute déviation est un péché devant Dieu, et constitue une porte ouverte à Satan. Dieu ne s'est pas trompé en choisissant de faire l'homme et la femme avec des sexes différents, il ne s'est pas non plus trompé en appelant chaque partie du corps humain par un nom différent. Le sexe ne saurait donc prendre le nom d'une autre partie du corps, et aucune autre partie du corps ne saurait prendre le nom de sexe, et ne devrait en aucun cas être confondu au sexe. 2.1.2 Les personnes. Le concept de personnes comme portes ouvertes nous ramène à l'enseignement sur la séparation que nous avons plusieurs fois étudié dans le passé. Dans le cadre de cet enseignement, nous reviendrons encore sur ce sujet, pour ceux qui n'ont pas suivi cet enseignement dans le passé, et même pour ceux qui l'ont déjà suivi, afin que ceux qui veulent obéir à Christ pour leur propre épanouissement comprennent bien ce que le Seigneur attend d'eux. Sachez que tous ceux qui ne sont pas dans le camp de Jésus-Christ, sont encore dans le camp de Satan, et ce faisant, constituent une porte ouverte pour nous. Satan peut se servir d'eux à tout moment pour nous atteindre, puisqu'ils sont sous son contrôle, et sont facilement manipulables par lui. 2.1.3 ou les animaux. Satan et ses agents se servent aussi souvent des animaux domestiques, tels que les chiens, les chats, Etc. pour nous atteindre. Ne soyez donc pas étonnés qu'en Occident, où ces animaux sont adorés, les maladies comme l'asthme et autres maladies provoquées par les animaux soient très fréquentes. Nous devons nous débarrasser de tels animaux. Même les animaux que nous élevons pour la consommation, tels que les poules, les chèvres, et les autres animaux destinés à être mangés, peuvent être exploités par les agents de Satan pour nous nuire. Mais comme l'utilité de ces animaux de consommation est bien établie, nous devons les conserver. Nous devons juste veiller à couvrir ces animaux par le sang de Jésus. 2.1.4 Les métiers. Il y a des métiers qui constituent de larges portes ouvertes à Satan, et tous ceux qui les exercent sont très exposés aux esprits sataniques. Les enfants de Dieu doivent éviter de tels métiers. Parmi ces métiers on peut citer, les gardiens des morgues, les gens qui lavent les morts, ceux qui travaillent sur des cadavres, les psychologues, les psychiatres, ceux qui travaillent pour les déséquilibrés et les malades mentaux, les métiers artistiques, et tous ceux qui travaillent dans les lieux à forte concentration satanique tels que les cimetières, les boîtes de nuit, les casinos, les bars, les cinémas, les opéras, les théâtres, les clubs de danse, les salons de beauté, salons de coiffure, de manucure-pédicure, de kinésithérapie, d'acupuncture, de chirurgie esthétique, d'épilation, de maquillage, de bronzage, de tatouage, de piercing, etc. Les enfants de Dieu doivent fuir tous les métiers qui émanent de la méchanceté, qui impliquent la méchanceté, ou qui conduisent à la méchanceté. C'est le cas par exemple de ceux qui enlèvent les voitures des gens pour la fourrière, qui mettent des contraventions sur les voitures, etc. Vous devez fuir tous les métiers qui vous amènent à être méchant. Il y a aussi des métiers qui constituent des portes ouvertes à Satan, mais que les enfants de Dieu peuvent exercer, en étant juste conscients du combat qui se livre autour d'eux, et en étant très prudents. Parmi ces métiers on peut citer, les gens qui travaillent dans les maisons de retraite, les hôpitaux, les menuiseries de cercueils, et tout métier en rapport avec les morts. Les enfants de Dieu qui font ces métiers doivent chaque fois prier pour annuler les incantations qu'ils reçoivent. Je tiens à apporter quelques précisions sur le fait que travailler pour les déséquilibrés et les malades mentaux constitue une porte ouverte. Plusieurs de ceux que vous appelez déséquilibrés et malades mentaux sont des démons sorciers qui volontairement choisissent cet état pour prendre au piège les gens qui par manque de discernement vont s'occuper d'eux. Et ceci est devenu une très grande ruse de Satan de nos jours. Satan a envoyé dans le monde beaucoup de ses agents, qui naissent déséquilibrés, et totalement dépendants, pour distraire le monde et posséder tous les ignorants qui n'ont pas Dieu et sont sans la protection de Dieu, et qui dans leur naïveté croient que ces démons sont des vraies personnes qui ont besoin d'aide. Ne tombez donc pas dans le piège des sentiments. Actuellement il y a des grands hôpitaux qui leur sont réservés, et des milliers de médecins, infirmiers, et autres aides-soignants sont à leur service, avec des budgets énormes. Avec cela, Satan se rit du monde. Il en est de même des maisons de retraite. Parmi ces vieilles personnes que l'on retrouve dans ces maisons de retraite, il y a beaucoup de sorciers, qui, par ruse, utilisent leur état comme un piège pour nuire à ceux qui s'occupent d'eux. C'est aussi le cas pour les hôpitaux qui sont remplis de sorciers. Les enfants de Dieu qui travaillent dans ces lieux doivent faire très attention et se couvrir constamment par le sang de Jésus. 2.1.5 Les objets. Plusieurs des objets auxquels nous nous accrochons, qu'il nous ait été offert en cadeau ou acheté par nous-mêmes, constituent de grandes portes ouvertes à Satan dans nos vies et dans nos maisons. Parmi ces objets, nous pouvons citer 2.1.5.1 Les objets de sorcellerie. Les livres des sectes, les livres enseignant des pratiques de maîtrise de soi ou de développement d'une puissance intérieure, les livres enseignant les diverses formes de méditation, les livres de yoga, les objets des sectes, les objets reçus des sorciers, des marabouts, et des guérisseurs, les poudres, les liquides, les gris-gris, les calebasses. Les miroirs, les morceaux de tissu, les écorces d'arbres, les bagues et autres bijoux d'incantation, les talismans, les coris, les rubans à porter sur soi et toutes les choses à poser dans un endroit précis, les chapelets, l'eau bénite, les croix et autres objets ésotériques, les objets de charme et d'envoûtement, tous les objets que les fausses églises donnent à leurs fidèles pour garder dans leur maison à titre de protection, etc. Toutes ces choses que les pasteurs et les prêtres vous donnent telles que les eaux dites bénites, les huiles bénites, les morceaux de tissu et autres sont en fait des objets sataniques qui servent de portes ouvertes à Satan dans vos maisons. Retenez que la vraie protection ne vient que de Jésus-Christ, et de Jésus-Christ seul. Et le Seigneur n'a pas besoin de passer par de tels objets pour vous protéger ou vous défendre. Les miroirs font partie des éléments que les satanistes utilisent très souvent. Ne prenez donc pas l'habitude de vous mirer n'importe où. Et quand vous devez vous mirer chez des tailleurs ou couturières par exemple, couvrez-vous par le sang de Jésus. Couvrez aussi les miroirs que vous achetez sur le marché, par le sang de Jésus. 2.1.5.2 Les objets d'idolâtrie. Les cendres de mort, les photos ou vidéos des cadavres, les objets de culte aux morts et aux ancêtres, certains objets ayant appartenu aux morts et devant être légués d'une génération à l'autre, les bougies, l'encens et autres objets fétiches auxquels on s'attache sans trop s'expliquer pourquoi, constituent de grandes portes ouvertes à Satan. Par contre, les bougies qu'on utilise pour s'éclairer quand il n'y a pas de lumière ne sont pas des portes ouvertes. Il faut juste les couvrir par le sang de Jésus. Il y a certaines sectes sataniques dont les adeptes mangent toujours avec des bougies allumées. L'utilisation des bougies dans ce cas est purement satanique. 2.1.5.3 Les objets de divertissement. La télévision, l'Internet, pour ceux qui l'utilisent pour fouiller les abominations, les films mondains, les films malsains, les livres malsains, les musiques mondaines, la techno, le rock, et le rap même dit chrétien. Les revues pornographiques et autres revues contenant des images bizarres, tous ces jeux bizarres pour enfants, les poupées, les jeux vidéo, les dessins animés, et les autres distractions pour enfants représentant des figurines humaines ou animales, les spectacles, etc. constituent de grandes portes ouvertes à Satan. Les enfants de Dieu doivent utiliser le temps de distraction pour lire leur Bible, pour intercéder, et pour chanter des cantiques au Seigneur. 2.1.5.4 Les objets volés. Fuyez le vol. Même si l'on peut dire que c'est un péché comme les autres, il n'en demeure pas moins qu'il fait partie des péchés qui vous créent plus de problèmes. Sachez que le vol est un double péché, le vol lui-même, et la méchanceté. Quand vous volez la chose d'une personne, vous privez cette personne de sa chose, vous la mettez dans une situation de détresse, dans la souffrance, et dans des grands problèmes. Vous amenez ainsi cette personne à vous maudire, et puisqu'elle vous maudit avec raison, vous n'échappez pas à ses malédictions. En cela, le vol constitue une grande porte ouverte à Satan. C'est aussi le cas des objets volés. Il y a un sérieux problème à résoudre au niveau des objets volés. Il s'agit de savoir ce qu'il faut en faire. D'où l'amalgame autour de la notion de la restitution qui, quand elle est mal interprétée, crée plus de problèmes qu'elle n'en résout. Il est donc important pour nous de très bien comprendre ce que dit la Bible au sujet de la restitution. Vu l'importance de ce sujet, j'ai jugé mieux de le traiter de manière complète dans un enseignement à part, intitulé La restitution, que vous trouverez sur le site www.macreveille.org. Je vous le recommande. 2.1.5.5 Les objets ramassés. Bien aimé, vous devez bien comprendre la gestion des objets ramassés, pour ne pas vous faire prendre au piège. Il y a deux catégories d'objets ramassés, et pour faire un vrai travail de dépouillement, vous devez bien connaître la différence qui existe entre ces deux catégories, d'un côté il y a des objets que les gens ont égarés, et de l'autre les objets que les gens ont jetés. La gestion de ces deux catégories est totalement différente. Pendant que la première constitue une réelle porte ouverte, la seconde constitue plutôt un point de contact, c'est-à-dire une potentielle porte ouverte. Je traiterai ici la première catégorie, c'est-à-dire les objets que les gens ont égarés, et la seconde sera traitée sous le titre les points de contact. 2.1.5.6 Les objets que les gens ont égarés. Vous devez faire très attention aux objets égarés que vous ramassez en route. Vous n'êtes pas supposé vous approprier les choses que les gens ont égarées. Qu'il s'agisse de l'argent ou de n'importe quelle autre chose. S'approprier une chose que l'on a ramassée sur la route s'apparente au vol. Et comme vous l'avez lu plus haut, les objets volés constituent une porte ouverte. Sachez que nul n'est content de perdre quelque chose. Et quand vous perdez un objet, votre souhait est de le retrouver. Et très souvent vous vous mettez à la recherche de cet objet. Parfois vous retournez sur vos pas pour voir si vous pouvez encore le retrouver. Généralement vous pensez à tous les endroits où vous croyez l'avoir perdu. Parfois vous allez à la police signaler la perte de cet objet, espérant que quelqu'un de gentil et d'honnête l'a retrouvé, et l'a ramené à la police. Et très souvent pour vous qui êtes chrétien, vous priez que Dieu vous aide à retrouver votre objet égaré. Si en retournant sur vos pas, vous retrouvez ce que vous avez égaré, vous serez naturellement très content. Et si à la police on vous dit qu'un bienfaiteur a retrouvé et déposé votre objet là-bas, vous serez très content. Pourtant quand toutes vos recherches ne donnent rien, vous êtes déçu, et très souvent vous vous retrouvez en train de maudire celui qui a ramassé cet objet. Vous comprenez donc aisément que s'approprier un objet que quelqu'un a égaré, est un acte de méchanceté. Et tout acte de méchanceté constitue une porte ouverte à Satan. Le principe de Matthieu 7h12 vous aide à mieux comprendre la gravité de cet acte que vous croyez sans danger. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Dès lors, tout objet égaré que vous ramassez, doit être déposé à la police. Et si vous n'êtes pas prêt à aller à la police déposer les objets égarés, ne les ramassez pas. Vous n'êtes pas obligé de les ramasser. Mais si vous choisissez de les ramasser, que la destination soit la police. Maintenant, que faire des objets que vous avez dans vos maisons ou en votre possession et qui sont des objets égarés que vous aviez ramassés Vous devez les traiter comme des objets volés, à la seule différence que vous ne connaissez pas à qui ils appartiennent. 2.1.5.7 Les objets d'ornement les photos, les statues et statuettes, les masques, les fleurs artificielles, les tableaux et les peintures, les souvenirs et bibelots, les jouets en peluche, nounours, dont on au décor la maison, les médailles, les effigies et les trophées. Les aquariums eux aussi constituent des portes ouvertes. 2.1.5.8 Les vêtements. Les vêtements extravagants et tous ces vêtements dits de mode, les habits en jean, les accoutrements en cuir avec des insignes sataniques, les habits avec des images sataniques et des images bizarres, les habits avec des photos de personnes, les soi-disant chrétiens qui sont actifs dans des partis politiques et qui portent des habits sur lesquels il y a de grandes photos de leurs candidats préférés, doivent comprendre que ce qu'ils font, c'est de l'idolâtrie ce qui est un péché grave aux yeux d'eux. Dieu, les pantalons pour les femmes, les femmes peuvent se servir du jogging comme tenue de sport, les jupes pour les hommes, toutes les tenues extraverties, les autres habillements dits sexy, et tous les accoutrements indécents tels que les courtes jupes et les habits serrés qui dessinent le corps, constituent des portes ouvertes. Permettez-moi de m'attarder sur les habits en jean comme porte ouverte. Le jean n'est pas un vêtement comme les autres. C'est un symbole de rébellion, de révolte et de délinquance. Plusieurs le portent avec l'idée d'avoir un habit solide qui va durer, mais Satan qui a récupéré le jean, l'a associé à ses esprits qui l'accompagnent et qui suivent ceux qui le portent. C'est le vêtement de tous les brigands, les chanteurs de rock, les voyous, etc. Il le porte souvent entaillé, raccommodé, parfois mixé avec plusieurs autres types de tissus et avec des déchirures donnant une impression de vandale à son porteur. Même pour les païens, le jean est synonyme d'irresponsabilité. Pour ce qui est des accoutrements en cuir comme porte ouverte, il est à noter que ce n'est pas le cuir lui-même qui est un problème, mais plutôt son utilisation par les satanistes. Les satanistes en ont fait un habillement de voyou, comme vous le voyez avec ces blousons cuir frappés d'un signe satanique au dos ou sur les manches qu'ils portent très souvent. Vous devez donc vous sentir libre de porter des blousons en cuir, qui n'ont pas d'inscription satanique. Gardez-vous par contre de tous ces pantalons et blousons en cuir bizarres avec les images sataniques. Que les satanistes qui aiment défiler avec de grosses motos portent souvent. Que peut-on dire des produits cosmétiques et des bijoux 2.1.5.9 Les cosmétiques. Plusieurs produits de beauté tels les parfums, les crèmes anti-rides, les laits corporels de décoloration de la peau, les mèches, les perruques, les parures, les produits de défrisage des cheveux, les rouges à lèvres, les poudres de maquillage, les vernis, et les autres produits de maquillage. Les gens de Satan sont toujours trop liés à ces choses, vous les reconnaîtrez. Fuyez tous ces produits de séduction. Mais vous ne devez pas fuir les huiles et les pommades normales que vous utilisez souvent pour vous oindre. Vous devez juste les purifier. Pour ce qui est des désodorisants que vous utilisez souvent dans les WC ou les autres pièces de vos maisons, couvrez-les par le sang de Jésus. Les femmes doivent comprendre que les mèches qu'elles aiment utiliser pour leurs tresses sont soit les cheveux des morts, soit les cheveux sur lesquels les agents de Satan ont fait toutes les formes d'incantations possibles pour atteindre et tenir captives toutes les femmes qui vont les utiliser. Les rouges à lèvres sont généralement faits de sang humain, que les satanistes collectent lors des accidents, et les différentes poudres utilisées pour la beauté sont des résidus de poudres humaines, que les satanistes stockent à cet effet, et pour plusieurs autres incantations. La majorité des poudres et autres produits cosmétiques de grand prix que vous voyez sur les marchés sont faits à base de placenta, que les satanistes obtiennent soit par vol lors des accouchements, soit par magouille auprès des hôpitaux. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous demande de fuir les choses du monde, qui ne sont là que pour satisfaire la chair et l'orgueil de la vie. 2.1.5.10 Les bijoux. Les chaînes, certaines sorcières les portent même aux pieds, les bagues, les bracelets, les gourmettes, les boucles d'oreilles, les colliers et les autres bijoux, n'imitez pas les agents de Satan qui, malgré les enseignements, s'y attachent encore. Les bijoux, les bagues, les bracelets, les chaînes et autres, ne sont là que pour la convoitise de la chair, pour la convoitise des yeux, et pour l'orgueil de la vie. Il en est de même des perruques et autres parures auxquelles beaucoup de femmes s'accrochent encore. Tous ces tas d'encombrements extérieurs que vous portez sur vous sont des objets de séduction, et ne servent que pour la gloire de Satan. Toutes ces choses servent à satisfaire la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie. En cela, elles constituent des grandes portes ouvertes à Satan. Repentez-vous et abandonnez ces choses. La recherche de la beauté artificielle est un grave danger pour les humains, un grand piège que Satan a tendu à l'humanité. Et tous ceux qui tombent dedans en souffrent. Soyez très prudents. Fuyez tous ces éléments qui vous donnent une certaine beauté artificielle, et réjouissez-vous pour la beauté naturelle que Dieu vous a donnée. Le psaume 139, 14 nous dit, Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Laissez-moi ouvrir une parenthèse à ce niveau pour vous donner un autre élément de discernement. Si vous rencontrez des soi-disant enfants de Dieu, qui ont déjà bien suivi la vérité, et qui s'accrochent encore à tous ces produits de séduction, sachez que ce sont des gens de Satan. Les vrais enfants de Dieu s'accrochent souvent à ces choses quand ils sont encore dans l'ignorance. Mais quand le Seigneur leur ouvre les yeux, ils se repentent et abandonnent ces choses sans hésiter. Pourtant les gens de Satan trouvent toujours des raisons pour s'entêter. Le Seigneur a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Nous étions tous dans le mensonge, c'est-à-dire dans le faux évangile. Dès que le Seigneur nous a accordé la vérité, nous nous sommes laissés affranchir par la vérité. Les vrais enfants de Dieu se laissent toujours affranchir par la vérité, et ils sont heureux d'être enfin affranchis. Pourtant ces gens de Satan, n'étant pas de la vérité, ne se laissent jamais affranchir par elle. Vous les reconnaîtrez au milieu de vous. Les choses de Dieu leur paraissent toujours très difficiles à mettre en pratique, même les choses simples. Ces gens passent toujours leur temps à contester les enseignements, ils ne cessent d'inventer des raisons pour justifier leur entêtement. Vous enfants de Dieu, ne les imitez pas. Si vous connaissez des soi-disant sœurs au milieu de vous qui chaque fois créent des discussions du genre on ne doit pas porter le voile à tout moment, on peut mettre un peu de maquillage pourvu qu'on n'exagère pas, la Bible ne précise pas que le pantalon est un habillement d'homme, Jésus portait des robes, ne vous étonnez pas. Ce sont les gens de Satan. La vérité leur paraît très compliquée, et ils sont toujours attachés aux choses du monde comme leur père Satan. Et comme vous le constatez vous-même, ces objets ne sont d'aucune utilité. Ils sont là juste pour la convoitise de la chair, pour la convoitise des yeux, et pour l'orgueil de la vie. La Bible nous demande clairement de fuir toutes ces choses. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. 1 Jean 2 15-16. Homme de Dieu. Qu'en est-il des nourritures et les boissons Les nourritures et les boissons. Comme sur les autres objets, Satan et ses agents font beaucoup d'incantations sur les nourritures et les boissons que nous consommons, dans le but de nous posséder par leurs esprits impurs, sinon de tisser quelques liens qui leur permettront de nous atteindre. 2.1.6.1. Les nourritures. Les aliments que le monde consomme constituent donc une grande porte ouverte à Satan pour nuire à l'humanité. Les agents de Satan font tous leurs efforts pour faire des pratiques abominables sur les aliments que nous consommons. Pour cela, nous devons faire attention à ce que nous consommons, et il y a toute une série de nourritures que nous devons éviter autant que nous le pouvons. Il s'agit de tous les aliments ou produits qui se vendent déjà écrasés, hachés, mixés, ou transformés, conserves, plats cuisinés, parce que Satan veille à ce que ce soit de la vraie abomination qui soit écrasée et vendue sur les marchés. Ne soyez donc pas étonnés qu'il y ait aujourd'hui beaucoup de maladies y compris les maladies dont on ignore les noms. L'on vous parle très souvent d'intoxication alimentaire, provenant pourtant des aliments normaux qui sont supposés faire du bien à l'homme. Quand le Seigneur nous a conduits à faire une petite recherche sur les pratiques de Satan sur les aliments que l'on consomme, nous nous sommes rendus compte à quel point le monde consomme du n'importe quoi, c'est-à-dire des choses que l'on ne saurait nommer. Les satanistes s'arrangent chaque fois pour mélanger aux nourritures qui sont sur les marchés, toutes les souillures possibles. 2.1.6.1.1 Les hachés et les mixés. Beaucoup de viandes hachées ou mixées sont mélangées avec de la chair humaine, dans le but d'initier à la sorcellerie ceux qui les consomment. Plusieurs produits que vous achetez déjà écrasés ou broyés, tels que les cornets de bif, les jambons, les pâtés, les saucissons, et autres, sont souvent mélangés avec des pourritures de toutes sortes. Il en est de même des repas pour bébés en petits pots, déjà prêts et écrasés. Toutes ces abominations, couvertes de grandes incantations, ont pour but de souiller le monde entier et d'engendrer des maladies ou des possessions démoniaques chez ceux qui les consomment. 2.1.6.1.2 les conserves. Beaucoup de types de boîtes de conserve que vous achetez sur les marchés sont faites à base de cadavres d'hommes, d'animaux et de fœtus. Dans certains pays d'Asie, plusieurs agents de Satan se sont lancés dans le commerce des fœtus et autres cadavres. Les avortons y sont transformés en conserve et inondent tous les marchés du monde entier et les gens en raffolent. Faites bien attention aux conserves. Une bonne partie de ces avortons se retrouvent dans des plats dans les restaurants asiatiques partout où ils sont installés dans le monde entier. Si seulement les gens pouvaient savoir ce qu'ils mangent chaque fois. Il en est de même de certaines sardines. Vous trouvez des boîtes de sardines et ou de thon, sur lesquelles il est écrit Reine de la côte. Ne croyez pas que cela soit une simple publicité. Plusieurs de ces sardines ne sont pas des sardines du tout. Veillez donc à ce que vous achetez. Faites attention. Maintenant que vous êtes averti, prenez vos précautions. 2.1.6.1.3 ou les plats cuisinés, les sauces et les assaisonnements. Faites attention aux viandes que vous achetez déjà bien braisées, ou grillées, bien préparées, toutes prêtes à manger. Certaines de ces viandes sont loin d'être ce qu'on vous présente. Faites attention aux repas qu'on vous sert dans les hôtels et les restaurants. Faites attention aux nourritures qu'on vous sert dans les cantines sur les lieux de travail, dans les cantines scolaires et les nourritures vendues dans les collèges, lycées et écoles primaires. Faites attention aux pré-accent grave mangés. D'autres produits tels que les ketchups, les confitures, les arômes, les sauces vinaigrettes, les épices et autres assaisonnements sont souvent mélangés avec du sang humain, des poudres de chair humaine et d'autres formes de pourriture et de saleté. Les cubes magui, les autres cubes de bouillon, et plusieurs autres condiments écrasés subissent les mêmes traitements. Tout cela dans le but de souiller le monde, et d'initier à la sorcellerie les gens non couverts par le sang de Jésus-Christ, et tous les hommes négligents. 2.1.6.1.4 Les pollutions par différents excréments humains. Beaucoup de commerçants pour avoir du succès dans leur commerce, vont faire des pactes avec Satan, et ce que Satan leur demande souvent de faire pour attirer la clientèle, est horrible. Certaines femmes se retrouvent selon les consignes reçues des marabouts, en train de déverser leurs menstrues dans les nourritures chaque fois, avec quelques incantations, pour attirer la clientèle. D'autres commerçants déversent des excréments humains et des urines dans les nourritures, avec quelques autres incantations, pour attirer la clientèle. Par la grâce de Dieu, dans plusieurs pays on a démantelé de nombreux réseaux de ces groupes sataniques. Vous voyez très souvent des petits commerçants, spécialisés généralement dans les commerces de nourriture tels que les restaurants, les petits cafés, les cafeterias et autres gargotes, se faire une clientèle folle, au point où l'on se demande ce qu'ils préparent de si délicieux pour attirer tant de foules, ce sont des grandes incantations qu'ils font, à la suite de nombreux pactes signés avec les marabouts. Et ce qu'ils font manger aux gens, Dieu seul le sait. Il y a tellement d'exemples et de témoignages à ce sujet que s'il nous fallait les énumérer, cet enseignement serait très long. Laissez-moi néanmoins vous donner le dernier exemple en date. Il s'agit d'un cas de contamination de nourriture actuellement entre les mains de la police illinoise aux États-Unis. Un journal américain rapporte cette troublante histoire qui a eu lieu dans un lycée de Wheaton dans l'Illinois le 6 décembre 2006. Un jeune lycéen de 17 ans a discrètement éjaculé dans la boîte de la sauce vinaigrette de la salade qui devait être servie dans le réfectoire ce midi-là. Il a été attrapé après cet acte et questionné par la police, il a reconnu et avoué les faits, mais on ignore combien de personnes ont consommé cette vinaigrette. Ce cas, bien aimé, n'est qu'une goutte d'eau dans la mer eu égard aux milliers d'autres du même genre, qui ne sont souvent pas attrapés. Mais si le Seigneur permet que de tels cas parviennent à nos oreilles, c'est pour que nous croyions que Satan et ses agents sont bien en action et que nous prenions nos dispositions. Les temps sont vraiment finis et l'ennemi sait qu'il ne lui reste que très peu de jours. Méfiez-vous et ne lui ouvrez plus de portes pour vous faire initier. Les boissons. 2.1.6.2.1 Les eaux commerciales dites minérales ou de source. Nous avons aussi eu des témoignages des agents de Satan qui déversent leurs souillures, urines, crachats, sueurs et autres, dans les eaux minérales que les gens achètent et consomment en toute quiétude, pensant qu'ils ont affaire aux eaux propres et bien traitées. Si vous pouvez vous doter de filtres pour filtrer votre eau, ce serait l'idéal. Sinon, il est encore préférable de boire l'eau du robinet non filtrée, plutôt qu'une eau dite minérale ou pure, remplie de souillures de toutes sortes. Dans les régions où plusieurs personnes n'ont pas les moyens de s'offrir un réfrigérateur et se retrouvent plutôt en train d'acheter soit de l'eau fraîche soit des glaçons pour rafraîchir l'eau, il faut également faire très attention. Ces glaçons proviennent très souvent des morgues. Les eaux fraîches quant à elles proviennent parfois des eaux usées ou des eaux souillées. Il en est de même des jus vendus en petits sachets congelés ou frais, dans les lieux publics. 2.1.6.2.2 Les jus et les autres boissons chimiques fuyez également toutes ces boissons chimiques colorées sucrées dont la vraie composition et le processus de fabrication vous effrayeraient si on vous les révélait tous ces coca-cola fanta sprite yuki pepsi top malta et autres boissons gazeuses ne sont que de sales boissons sans aucune valeur nutritive qui à la longue vous détruisent la santé les jus de fruits industriels quant à eux ont tellement été stérilisés et traités que finalement les substances naturellement présentes dans les fruits frais sont complètement détruites ce n'est qu'une fois prête qu'on rajoute dans ces boissons tous les éléments dont les fabricants vendent tant la présence et les qualités. Ne perdez donc pas de vue que quelle que soit l'appellation, 100% pur jus, sans colorant ni conservateur, etc., il n'en demeure pas moins que ce sont des fausses boissons qui sont également diluées de souillures de toutes sortes. Si vous voulez boire des jus de fruits, pour ceux qui peuvent s'offrir un mixeur, c'est plus intéressant d'acheter des fruits et de faire vos propres jus de fruits. Sinon, il est toujours mieux de manger les fruits plutôt que de les boire en jus. Vous échapperez ainsi à beaucoup de pièges de Satan. N'oubliez pas que l'eau reste la meilleure boisson. Conclusion, apprenez à faire votre propre cuisine. Les quelques éléments cités plus haut sont suffisants pour vous amener à comprendre la gravité de la méchanceté et de la cruauté de Satan et de ses agents. Fuyez tous ces lieux publics de vente des choses prêtes à manger. Sachez que ce sont des abominations que vous consommez, et par ces abominations, vous vous faites initier. Ces souillures que vous avalez sont de grandes portes ouvertes à Satan dans vos vies. Pour ceux qui ont des domestiques, veillez aussi. Beaucoup de domestiques sont des grands agents de Satan, et vous font manger ces mêmes abominations dans votre propre maison. Vous devez purifier et couvrir par le sang de Jésus tous les aliments que vous achetez sur le marché, et éviter tout ce que vous pouvez éviter. Si vous voulez éviter de manger des abominations, fuyez les restaurants et autres nourritures de masse qui sont vendues ou distribuées dans les lieux publics. Consommez naturel autant que vous le pouvez. Tout ce que vous pouvez faire vous-même, faites-le. Fuyez les choses déjà toutes faites. Homme de Dieu, quand est-il des prêts, les emprunts, les dons et les services rendus peuvent-ils aussi constituer des portes ouvertes Les prêts, les emprunts, les dons et les services rendus. J'ai choisi de traiter les prêts, les emprunts et les dons comme un titre à part dans le but d'attirer votre attention. Prenez ce sujet très au sérieux généralement on ne comprend pas pourquoi les prêts les emprunts et les dons devraient constituer une porte ouverte retenez bien-aimé que les lois spirituelles sont au-dessus de notre logique un prêt normal n'est pas un problème un emprunt normal n'est pas un problème et un don normal n'est pas un problème j'entends par normal ici toute relation impliquant une personne normale qui n'a pas de lien avec le monde de satan Ceci veut dire en clair que si vous prêtez ou empruntez ou donnez quelque chose à un enfant de Dieu ou à une personne normale qui n'est pas un agent de Satan, cela ne devrait en aucun cas devenir une porte ouverte. Mais tout ce que vous prêtez aux agents de Satan, tout ce que vous leur empruntez, tout donc que vous recevez d'eux, et tout ce que vous leur offrez, sont de grandes portes ouvertes pour leurs incantations. Les agents de Satan ne ratent jamais de telles occasions, ils les exploitent et les utilisent toujours contre vous. Ne tombez plus jamais dans le piège de faire des prêts aux agents de Satan, ni d'emprunter auprès d'eux, ni de recevoir des dons d'eux, ni de leur offrir des choses. Laissez-moi vous donner quelques exemples concrets. Quand vous empruntez des choses des agents de Satan, ces choses vous apportent toujours le malheur. Si vous avez besoin d'argent par exemple, pour faire une affaire, si vous empruntez de l'argent d'un agent de Satan, cette affaire ne réussira jamais, et va même plutôt vous mettre dans le tourment. Et si vous avez un projet quelconque, et pour le réaliser vous acceptez l'aide des agents de Satan, attendez-vous à des problèmes. Les gens de Satan réussissent toujours ces coups parce que le prêt ou l'aide qu'ils vous font leur ouvre une porte pour vous nuire et détruire vos affaires ou vos projets. C'est pour cela que les agents de Satan sont toujours pressés de vous proposer des prêts ou des aides chaque fois que vous êtes dans le besoin, c'est généralement pour créer une porte ouverte et vous tenir captif. N'acceptez plus cette aide trop facile et trop rapide que les satanistes vous offrent. À ce propos, nous vous conseillons de lire le témoignage intitulé Le Revenant, que vous trouverez sur le site www.macreveille.org. Il en est de même de soi-disant aide que les organisations catholiques mettent à la disposition des gens. De la même manière, quand vous leur offrez des choses, ils vont faire des pratiques sur ces choses, et réussir à vous avoir. Soyez donc très vigilants dans vos rapports avec les gens de Satan qui vous entourent. Usez aussi de discernement pour détecter les agents de Satan qui se font passer pour chrétiens et se font appeler frères et sœurs. A ce propos, je partagerai avec vous ce témoignage relatif aux dons que nous recevons des agents de Satan. Ce témoignage est celui de deux soi-disant sœurs en Christ d'une soi-disante assemblée chrétienne, une église baptiste à Montréal au Canada. L'une d'entre elles devait se marier et avait déjà sa robe de mariée, prête. La deuxième, qui était couturière, lui proposa de lui en faire une. Elle refusa en lui disant qu'elle en avait déjà acheté. La sœur couturière insista en lui demandant si sa tenue lui allait bien. Elle lui fit savoir que la tenue était un peu juste. La sœur couturière se proposa de lui faire gratuitement des retouches. Marquée par la gentillesse de sa soi-disant sœur en Christ, elle consentit et lui remit la robe. Ce qu'elle ignorait, c'était que sa soi-disant sœur en Christ, loin d'être une sœur gentille qui voulait l'aider, était une méchante sorcière qui voulait la tuer, et qui ne cherchait qu'une porte pour l'atteindre. Une fois le travail fini, elle passa à l'atelier pour l'essayage. Elle se revêtit de la robe et pour apprécier le travail effectué, la sorcière couturière lui proposa de se regarder dans le miroir prévu à cet effet. Dès qu'elle se plaça face à ce miroir, elle ressentit une violente douleur dans le dos, comme si elle avait reçu une flèche à cet endroit. C'était exactement le cas, c'était une flèche satanique qui venait de l'atteindre. Elle se sentit tellement mal qu'elle dut quitter l'atelier. Depuis ce jour, la souffrance ne la quittait plus. Toutes ses tentatives de retrouver la guérison furent vaines. Elle était même passée par des interventions chirurgicales sans succès. Plus tard, elle mourut. Si vous regardez un peu dans le passé, vous comprendrez plus facilement certaines des choses que vous avez souffertes. Pour ceux parmi vous qui ont reçu de l'aide des agents de Satan dans diverses situations, ou qui les ont aidés, c'est encore plus évident. Pour conclusion, retenez que les prêts, les emprunts, les dons et les objets reçus ou offerts aux sorciers et autres agents de Satan, constituent de grandes portes ouvertes à Satan. Évitez ces choses maintenant autant que vous le pouvez. Les élèves aussi doivent faire attention aux choses qu'ils prêtent aux camarades de classe, aux choses qu'ils empruntent des camarades de classe, et aux choses qu'ils échangent avec les camarades de classe. Les agents de Satan qui sont parmi eux sont très dangereux, et exploitent ces choses pour faire des incantations contre leurs camarades pour qu'ils ratent leurs examens. Soyez très vigilants. Certains de vos échecs scolaires proviennent aussi des sorciers qui vous ont offert des outils scolaires tels que des livres, ou cahiers, ou crayons à mine, ou même de l'argent pour la pension. Veillez donc à vos sources d'approvisionnement, détruisez toutes les incantations possibles sur vos effets, et sur tout ce que vous recevez, et refusez les effets des personnes que vous reconnaissez comme dangereuses. Que peut-on dire des comportements Les comportements. 2.1.8.1 La saleté et le désordre. La saleté et le désordre constituent des portes ouvertes à Satan. Ce point constitue aussi un élément de discernement. Un degré élevé de saleté et de désordre est un signe de la pratique de la sorcellerie. Il y a un degré de saleté et de désordre que quelqu'un de normal ne peut supporter. Si vous rencontrez des gens qui sont à l'aise dans un degré de saleté et de désordre qui dépasse la limite du tolérable, sachez que vous avez affaire au sorcier. Satan aime ce qui est sale, laid, moche et bizarre. Si vous entretenez un certain niveau de saleté et de désordre, vous allez certainement l'inviter. Veillez donc à être propre, discipliné, organisé et ordonné. Le Seigneur approuve toutes ces choses. 2.1.8.2 Les déviations comportementales Elles constituent des portes ouvertes à Satan. Chaque fois que l'homme essaie de se faire femme, ou que la femme essaie de se faire homme, ils sont en abomination à Dieu, et par là, donnent un accès à Satan sur leur vie. Parmi ces déviations l'on peut citer les cheveux longs pour un homme, et la tête rasée pour une femme. Le manque de pudeur dans l'habillement, habits moulants, Habile et sans découverte une bonne partie du corps. Le fait pour une femme de prendre de l'autorité sur l'homme. Le fait de se travestir, porter un pantalon pour une femme, porter les boucles d'oreilles pour un homme, alors que même la femme est appelée à s'en débarrasser, avoir les cheveux tressés pour un homme, etc. Les piercings et les tatouages. La Bible nous dit clairement dans Lévitique 19h28 Vous ne vous ferez pas d'incision sur le corps à cause d'un mort et vous ne ferez pas dessiner des tatouages sur le corps. Je suis l'Éternel. La mode. Il existe une vague d'habits, jupes, robes, etc., modèles sirènes pour les femmes. Des jupes qui sont cousues normalement à la taille et au bassin, qui se rétrécissent vers les genoux puis s'évasent de nouveau au niveau des jambes. Il y a également toute cette gamme de chaussures modèles sirènes aux formes qui effraient, des chaussures à bout pointu long. Quand vous portez tous ces genres d'habits et ces genres de chaussures, vous vous faites tout simplement posséder. Ce sont des habits et des chaussures conçus avec toutes les incantations possibles. Et comme ces choses sont dédiées aux esprits sataniques, vous ne pouvez pas les utiliser et échapper. Et tous ceux qui courent après la mode tombent dans ces pièges. Et qui dit e mode, dit vanité, orgueil de la vie et convoitise de la chair. C'est purement satanique. Les choses simples devraient nous paraître simples à comprendre. Encore une fois de plus, que les femmes qui croient être de Dieu veillent très bien sur les différents types de robes, de jupes ou de chaussures qu'elles achètent. Vous avez remarqué que dans la Bible, le Seigneur parle avec insistance de l'habillement de la femme. C'est parce que Dieu sait que la femme est un instrument de séduction entre les mains de Satan. Veillez à ne plus être une porte ouverte à Satan par vos convoitises. Les hommes qui suivent la mode et courent après les chaussures à boulons pointues de gangsters ou de cow-boys n'échappent pas non plus aux démons. Tous ces accoutrements sont purement sataniques. Les enfants de Dieu doivent s'en garder. Les habits en tissu rafistolé, rapiécés, Coupé et recollé avec plusieurs types de tissus multicolores et les habits cousus à l'envers sont autant de bizarreries à éviter. Dieu a permis que ce soit des choses qui, rien qu'à l'œil nu, nous repoussent. Sachez que tout ce qui attire le monde est en abomination à Dieu. Le monde étant contre Dieu, ne peut adorer que ce que Dieu déteste. Homme de Dieu. Quelles sont les autres portes ouvertes par nous? Les autres portes ouvertes par nous. Les malédictions provenant de nos fautes ou de nos actes de méchanceté, la convoitise, les pactes, les engagements non tenus, les vœux non accomplis, la tradition, les associations et réunions mondaines, constituent de grandes portes ouvertes à Satan. Les malédictions prononcées contre nous-mêmes, vous entendez par exemple des gens après une erreur crier Oh que je suis bête, je ne vaux rien, je ne suis bon à rien, je suis nul. Toutes ces malédictions font leurs effets. Les mauvaises paroles que nous laissons s'échapper de nos bouches, les jurons grossiers, les interjections grossières, bref, les gros mots en général, sont autant de portes ouvertes. La visite des lieux touristiques tels les eaux, les musées, les cimetières, les temples catholiques, les temples bouddhistes, les autres temples religieux, les temples des sectes, les mosquées, les parcs d'attractions, les fêtes foraines, les cirques. Les enfants de Dieu qui travaillent dans ces lieux doivent se couvrir par le sang de Jésus et ceux qui visitent ces lieux, juste pour la distraction, sont exposés. La fréquentation des piscines, des plages, et des parcs aquatiques. La négligence, le fait de manger sans prier, le fait d'essayer ou de porter les vêtements sans les purifier, la communication avec les sorciers. Sachez que même par des simples coups de fil, les sorciers nous atteignent très facilement. Les murmures, chaque fois que vous faites quelque chose pour Dieu, ou que vous pratiquez la parole de Dieu en murmurant, vous ouvrez des portes à Satan. Certaines pratiques telles que la transfusion sanguine, la médecine esthétique, les incisions et les scarifications, les excisions, les sports professionnels, constituent autant de portes ouvertes. Fréquenter les fausses églises est une grande porte ouverte, car la fausse doctrine constitue en elle-même une grande porte ouverte à Satan. Toutes les églises et les autres milieux dits religieux qui ont abandonné la vérité sont un champ d'amusement pour Satan, un terrain très propice pour toutes ses incantations et ses initiations. C'est toujours très facile pour Satan de recruter de nouveaux agents dans les églises qui ont fui la vérité et qui sont plongées dans le faux évangile. Dans la compromission, et dans l'évangile de prospérité. Le message du Seigneur est clair, sortez du milieu d'eux, séparez-vous d'eux, dit le Seigneur. N'ayez pas de contact avec ce qui est impur, alors je vous accueillerai. 2 Corinthiens 6h17. Si c'est réellement Dieu que vous pensez servir, sortez de toutes ces fausses églises, et cherchez à vous retrouver avec les quelques frères qui recherchent la sanctification. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. 1 Corinthiens 15 h 33. Vous l'avez compris. Ne tombez plus dans le piège de la séduction, en croyant que vous restez dans ces milieux dans le but de changer les gens qui y sont. Sachez que vous ne les changerez jamais en y demeurant, au contraire ce sont eux qui vous changeront. Se laisser imposer les mains par des pasteurs sorciers, imposer les mains aux gens sans discernement, sont autant de portes d'incantation. Les séances de délivrance dans les fausses églises sont de grandes portes ouvertes à Satan. Plusieurs sorciers appelés pasteurs organisent souvent ce qu'ils appellent séances de délivrance, au cours desquelles ils profitent pour initier à la sorcellerie tous ceux qui viennent chercher la délivrance. Vous devez donc faire attention. Avant d'aller chercher la délivrance quelque part, rassurez-vous que ceux vers qui vous allez servent réellement Dieu. Il y a des pratiques dites de sport avant l'accouchement et de kinésithérapie après l'accouchement, offertes gracieusement par les services médicaux. Il s'agit de sport soi-disant pour aider les femmes enceintes à se maîtriser et à supporter la douleur pendant l'accouchement et à retrouver rapidement le bon fonctionnement du corps après l'accouchement. Mais c'est parfois tout simplement une forme de yoga dont on ne vous dit pas le nom. Toutes ces méthodes de sport que l'on vous fait exercer sont des sources d'initiation satanique pour vous lier aux démons, vous et l'enfant que vous portez. En acceptant de faire de tels exercices vous vous exposez car vous signez volontairement des pactes avec Satan. Les démons font toujours semblant de vous aider pour vous posséder davantage combien de femmes en France et dans les autres pays du monde sont dans les chaînes de Satan à cause de ces pratiques abominables. Nous vous prions, vous qui comprenez l'enjeu de ces portes ouvertes, de partager avec le maximum de personnes ces enseignements afin qu'elles échappent aux liens de Satan, elles et leurs enfants déjà victimes de ces incantations. Bien aimé, je viens de vous donner une liste de choses qui peuvent servir de portes ouvertes à Satan. Je tiens à préciser que cette liste n'est pas exhaustive, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs autres choses qui n'y figurent pas. Je n'aurai pas le temps d'expliquer pourquoi et comment chacune de ces choses constitue une porte ouverte, sinon cet enseignement serait au moins quatre fois plus long qu'il ne l'est actuellement. Je vous donnerai néanmoins le secret qui devrait vous aider à déterminer si une chose ou un objet peut servir de porte ouverte ou non. Marchez toujours sur le principe selon lequel, tout est permis, mais tout n'est pas utile, tout est permis, mais tout n'édifie pas. 1 Corinthiens 10h23 Chaque fois que vous avez quelques doutes au sujet d'un objet ou de n'importe quelle autre chose, Sachez que vous avez juste une équation à résoudre, celle de déterminer soit l'utilité de cet objet, soit de savoir en quoi cette chose vous édifie. Le vrai enfant de Dieu ne doit chaque fois rechercher que ce qui l'édifie. Tout ce qui ne vous sert à rien, et tout ce qui ne vous édifie pas, est une potentielle porte ouverte à Satan. Si à cause de la convoitise vous préférez garder des objets ou des choses malgré leur inutilité, soyez prêt à en souffrir les conséquences. Les portes non ouvertes par nous. Il y a d'autres portes ouvertes qui ne dépendent pas de nous, et dont nous ne sommes pas les principaux responsables, et sur lesquelles nous n'avons presque pas de contrôle, mais dont nous souffrons. Ces portes sont notamment les liens et autres pactes tissés contre nous à notre insu, soit par nos parents, ou par nos ancêtres, ou par des gens qui nous sont inconnus. Il y a entre autres les noms que nous portons, les liens d'hérédité, l'appartenance à certaines familles ou certains villages, la succession, l'héritage, la tradition, les initiations, les incisions et les excisions, le rejet, les malédictions, les suicides et les pendaisons dans la lignée, les fausses couches, la sorcellerie des parents et grands-parents, et les tentatives d'avortement, si votre mère avait tenté de vous avorter, vous êtes automatiquement possédé. Il y a également les autres événements de la vie ne dépendant pas trop de notre volonté. Les divorces des parents, les divorces constituent des portes ouvertes dans la vie des concernés et de leurs enfants, les relations rompues telles les fiançailles rompues contre notre gré, les viols, si vous avez été victime d'un viol, vous êtes automatiquement possédé, et si vous êtes né à la suite d'un viol, c'est la même chose, et la dot dans certains cas, font partie de ce groupe. Je voudrais donner plus d'explications sur certains points mentionnés ici comme portes ouvertes ne dépendant pas de nous. 2.2.1 Les noms. Les noms et prénoms constituent aussi très souvent des portes ouvertes. Le malheur de certaines personnes provient des noms qu'elles portent. De par leur origine et ou leur signification, ces noms sont parfois de véritables portes ouvertes dans leur vie. Certains noms ou prénoms donnés aux enfants sont ceux de démons. Dans certaines régions du monde, les parents dans leur ignorance donnent aux enfants des noms de fétiches, croyant leur rendre un quelconque honneur ou croyant leur devoir une quelconque reconnaissance. Ignorant que ces fétiches ne sont autres que des démons, ils les considèrent comme des fétiches protecteurs de leur maison ou de leur village. En donnant de tels noms aux enfants, ce qu'ils ignorent, c'est que ce sont des pactes qu'ils signent entre leurs enfants et le monde des ténèbres, car c'est véritablement à des démons qu'ils dédient et confient leurs enfants. Et ceux-ci souffriront toute leur vie dans les liens de Satan sans comprendre ce qui leur arrive. Et même quand de telles personnes acceptent Jésus-Christ, ce n'est pas de manière automatique que ces liens sont brisés. Il faut annuler les pactes qui avaient été signés, et dans certains cas, les noms doivent être carrément changés. D'autres sont des noms d'animaux ou des noms désignant des événements malheureux ou des circonstances pénibles de la vie. Il y a aussi le cas de certains hommes qui donnent à leurs filles des noms des femmes qu'ils avaient aimées et ou souhaité épouser sans avoir pu le faire. Les prénoms masculins donnés aux filles ou les prénoms féminins donnés aux garçons sont autant de portes ouvertes. 2.2.2 L'appartenance à certaines familles ou certains villages. Il existe des faits ou des histoires dont les conséquences influencent et suivent chaque membre de certaines familles, ou chacun des ressortissants de certains villages. Le simple fait d'appartenir à ce village ou à cette famille, constitue un lien de malédiction qui devra être brisé. Il peut s'agir d'histoires très anciennes, dans le village ou dans la famille, qui ont laissé subsister des pratiques sataniques qui deviennent des coutumes qui se perpétuent de génération en génération. Il peut s'agir également de cérémonies occultes qui ont lieu dans des occasions comme les naissances, les mariages, les décès, surtout les décès tragiques, les cérémonies de veuvage, la perte d'un objet, etc. 2.2.3 La dot. À cause des différents pactes scellés lors de la dot, celle-ci peut constituer une porte ouverte. Et dépendant du type de liens établis, Parfois les conséquences de ces pactes vont de génération en génération, jusqu'au jour où par la grâce de Dieu on les brisera. 2.2.4 Le rejet. Les enfants qui ont été rejetés d'une manière ou d'une autre, se retrouvent dans cette catégorie. Si vos parents avaient eu la moindre intention de vous avorter, cette intention ouvre la porte aux esprits de rejet qui ont le pouvoir de s'installer en vous et de ruiner votre vie. Il en est de même des enfants non désirés. Ces cas sont fréquents, quand les parents dans leurs intentions n'attendent pas un enfant, mais que l'enfant vienne contre leurs attentes et contre leurs souhaits, il est généralement mal accueilli, et ce rejet lui ouvre des portes à Satan. C'est aussi le cas quand les parents veulent un garçon et obtiennent une fille, et vice-versa. C'est également le cas pour des orphelins qui ont été rejetés ou maltraités par ceux qui les ont élevés. Toutes ces formes de rejet constituent de grandes portes ouvertes aux démons. 2.2.5 Les relations rompues. Quand vous fondez un quelconque espoir dans une relation et que cette relation est brisée ou rompue, il y a toujours un choc émotionnel que cela provoque en vous. Ce choc, il faut bien le gérer, sinon il laisse en vous des cicatrices qui constitueront des portes ouvertes. Car tout choc, physique ou émotionnel, est une porte ouverte parce que Satan l'exploite d'une manière ou d'une autre pour nuire. C'est en cela que les accidents sont également des portes ouvertes. Même en dehors du choc créé, toute relation suppose un vécu avec tous les souvenirs de tous les moments passés, les échanges, les promesses, les liens tissés et les actions entreprises ensemble. C'est en cela que beaucoup de relations deviennent quand même des pactes signés, d'une manière ou d'une autre, et donc des portes ouvertes quand ces pactes sont violés. C'est pour cela qu'à la rupture, vous devez prendre toutes les précautions pour fermer toutes les portes qui ont été ouvertes. Par contre, les relations ou les fiançailles que vous rompez volontairement ne rentrent pas dans ce cadre. C'est parfois le cas quand pendant les fiançailles, vous découvrez des aspects de la vie du partenaire qui constituent un réel danger pour vous. Il s'agit dans ce cas de la séparation qui fait partie de notre sanctification. Le Seigneur attend justement de nous que nous coupions toutes les relations qui ne nous apportent rien et qui ne le glorifient pas. Homme de Dieu, nous avons fini avec les portes ouvertes. Nous allons continuer avec le volet des attaques de Satan. 3. Les attaques. Les attaques de Satan contre les hommes en général, et contre le peuple de Dieu en particulier, sont multiples. Je ne citerai pas chaque cas d'attaque ou chaque exemple d'attaque, mais je vous donnerai les quelques éléments qui vous rendront suffisamment éveillés pour combattre et ne plus être victime de la domination de Satan. Parmi ces attaques nous pouvons citer, les attaques de nuit, les attaques physiques, les incantations, les malédictions, les accidents, les maladies, etc. 3. Les attaques de nuit. Sachez que nos moments de sommeil sont les seuls vrais moments favorables à Satan pour les attaques. Ce n'est que quand nous dormons, que toutes les attaques de Satan contre nous peuvent réussir. Le Seigneur ne nous a-t-il pas recommandé de veiller et prier afin de ne pas tomber dans la tentation Matthieu 26, 41. C'est donc à travers les songes que nous subissons le plus grand nombre d'attaques de la part de Satan et de ses agents. Il y a plusieurs types de songes, que je trouve mieux de regrouper en trois catégories, les songes qui nous viennent de Dieu, ceux qui viennent de nous-mêmes, et ceux qui viennent de Satan. C'est cette troisième catégorie qui nous intéresse dans le cadre de cet enseignement. Tous les mauvais songes que vous avez souvent et que vous appelez cauchemars ou que vous croyez être des cauchemars, sont des attaques de Satan. À cause de l'ignorance, les frères négligeant ces attaques, et en souffrent dans la réalité. Parmi ces songes, il y a des songes dans lesquels vous voyez des gens qui sont déjà morts, des songes dans lesquels vous êtes oppressés, des songes dans lesquels vous vous trouvez en train de manger ou de boire, des songes dans lesquels vous êtes attaqués par des animaux, des songes dans lesquels vous êtes mordus par un chien ou par un serpent, des songes dans lesquels vous êtes en train de passer des examens scolaires déjà passés, des songes dans lesquels vous êtes sur les bancs d'école dans. Des salles de classe que vous avez faites dans le passé, des songes dans lesquels vous êtes pourchassé, des songes dans lesquels vous êtes enceinte, ou en train d'accoucher, ou en train d'allaiter des enfants, pour les femmes, des songes dans lesquels vous êtes en train d'avoir des rapports sexuels, des songes dans lesquels vous êtes en train de vous marier, des songes dans lesquels vous êtes en train de grimper une colline très abrupte, en train de vous battre, des songes dans lesquels vous vous retrouvez dans les forêts, ou dans les eaux en train de nager, ou victime d'un accident de la circulation, ou en chute libre, ou en train d'être poursuivi sans pouvoir avancer, ou à un enterrement, ou à des réunions, etc. La liste est longue. Nous ne traiterons pas chaque type de songe à part, sinon l'enseignement serait trop long. Retenez que chaque fois que vous avez eu ce genre d'attaque, vous avez été atteint par les flèches de Satan. Quand bien même cela semble souvent être un simple songe, c'est plutôt une opération réussie de Satan contre votre vie. Il faut agir au plus vite. Et quand dans votre ignorance ou dans votre négligence vous ne faites rien, vous subissez les effets de ces attaques dans la réalité, c'est-à-dire dans le monde physique. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Parfois les enfants de Dieu dans un songe se retrouvent en train de commettre l'adultère ou la fornication ou quelques autres péchés sexuels. Ils paniquent dans le songe pour ce péché qu'ils trouvent horrible. Dès qu'ils se réveillent, ils louent Dieu et disent, heureusement, ce n'était qu'un cauchemar. Dans leur ignorance ils ne font rien, ils ne savent pas que c'est toute une flèche de Satan qui les a atteints. Quelques semaines ou quelques mois plus tard, ils se retrouvent cette fois-ci, en train de commettre ce péché dans la réalité, et commencent à se demander ce qui leur arrive. Ce qui se passe ici est que, les flèches qu'ils avaient reçues étaient réelles, mais ils avaient cru avoir affaire à un simple cauchemar. Si vous examinez les cas des enfants de Dieu qui ont commis des adultères ou des fornications, vous verrez que la majorité de ces cas sont des attaques de nuit négligées, qui se sont transformées en attaques réelles. Parfois aussi, les enfants de Dieu, dans un songe, se retrouvent en train de manger ou de boire, soit dans des cérémonies, soit à diverses occasions. Dès qu'ils se réveillent, ils n'en font aucun cas. Pour eux, c'était juste quelque chose de normal. Il y en a même qui sont contents de dire qu'ils étaient à une fête et qu'ils ont bien mangé. Ils ne savent pas que les agents de Satan les ont atteints par leur poison. Quelque temps après, ils se retrouvent en train de souffrir des maux de toutes sortes et commencent à se demander ce qui leur arrive. Le poison qu'ils avaient avalé et n'avaient pas annulé par la prière pensant qu'il s'agissait de nourriture ou de boisson saine, était un sérieux poison. Plusieurs de ceux qui ont des maladies qui ne s'expliquent pas et qui perdurent, sont des cas pareils. Parfois encore les enfants de Dieu dans un songe sont attaqués au point de sentir des douleurs réelles dès qu'ils se réveillent. Là aussi ce sont des cas graves, et si le combat n'est pas mené de la bonne manière, les conséquences risquent d'être graves. Il peut s'agir des oppressions, des bagarres, des morsures de serpents, ou de chiens, ou d'autres animaux, des flèches et des balles reçues dans le songe, etc. Ces cas doivent être pris très au sérieux. Les femmes qui se retrouvent enceintes, ou en train d'accoucher ou d'allaiter des enfants dans des songes, doivent comprendre que ce qu'elles se sont vues en train de faire, est généralement une réalité dans le monde des ténèbres. C'est pour cela qu'il y a plusieurs femmes dans ce monde réel qui ont des enfants dans le monde des ténèbres. De la même manière quand vous vous retrouvez en train de vous marier dans des songes, il s'agit souvent de vrais mariages dans le monde spirituel. Plusieurs personnes sur la terre ont des partenaires dans le monde des ténèbres, c'est ce qui justifie certains abus sexuels dont les gens sont victimes dans leurs songes. Il y a beaucoup d'autres exemples, on ne peut pas tout citer. Vous devez retenir que ce que vous appelez généralement simple songe ou cauchemar, sont très souvent des attaques réussies des agents de Satan contre vous. Est-ce que les visages que nous voyons dans ces attaques sont les vrais visages de ceux qui nous ont attaqués? La réponse est oui et non. Très souvent, le Seigneur nous révèle les visages des agents de Satan qui nous attaquent. Mais souvent, Satan aussi réussit à utiliser les visages des personnes qui ne sont pas impliquées dans ces attaques, pour nous embrouiller, et semer la confusion dans notre esprit. Nous devons être très vigilants, et ne pas être pressés de tirer des conclusions sans discernement. C'est pour cela que l'un des points du combat que les enfants de Dieu doivent mener, c'est de toujours couvrir leurs images par le sang de Jésus, pour que Satan et ses gens soient incapables de les utiliser. À titre de conclusion, Retenez que chaque fois que vous avez été attaqué dans un songe ou dans un rêve, dès que vous vous levez, combattez immédiatement. Ne négligez rien, et ne renvoyez pas la prière à plus tard. Priez immédiatement pour annuler tous les effets de ces attaques sur vous, et couvrez-vous par le précieux sang de Jésus-Christ. Ensuite, envoyez le feu de Dieu détruire tous ces démons qui vous ont attaqués dans le songe. Si vous prenez ce combat au sérieux, en frappant chaque fois comme il se doit les démons qui viennent vous attaquer, les prochains démons que Satan enverra vers vous, Réfléchiront à deux fois avant de s'approcher de vous. Vous devez combattre de manière à ce que les démons comprennent qu'ils ne peuvent pas vous attaquer et échapper. Les attaques physiques. Les agressions, les destructions et les vols de nos biens, les insultes, les piqûres et morsures d'animaux, les jets d'objets sur nous comme les œufs, les cailloux, etc., sont des attaques physiques de Satan contre nous. Nous devons prendre très au sérieux chaque type d'attaque et combattre sans complaisance. Ces attaques, bien que physiques, sont avant tout des attaques spirituelles. Ce faisant, vous ne devez pas tomber dans le piège de répondre physiquement. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien aimé, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Romains 12, 17-19. Si vous êtes victime d'un vol, couvrez tous les objets qui ont été volés par le sang de Jésus-Christ. Les agents de Satan peuvent aussi utiliser ces choses pour vous atteindre. Il y a tout de même un aspect de ces attaques physiques sur lequel je voudrais insister il s'agit de cette ruse des satanistes, qui guettent les gens dans les endroits serrés, pour se frôler à eux dans le but de faire leurs incantations. Très souvent quand vous allez dans des marchés ou dans d'autres milieux qui bondent de foule, il y a plusieurs satanistes qui profitent de ce grouillement de personnes pour se frôler à vous. Soyez vigilants, ces gestes ne sont pas anodins du tout. Ce sont des pratiques sataniques que ces agents de Satan tentent de faire sur vous. Quand vous constatez ce genre de gestes suspects, consumez rapidement par le feu de Dieu toutes les incantations qui ont été faites contre vous, et couvrez-vous par le sang de Jésus. Les satanistes exploitent des endroits tels que les marchés, les bus, les métros, les trains et les lieux de spectacle pour ce genre de pratique. Les attaques dans nos pensées. Nos pensées sont le siège de fortes attaques sataniques. Satan et ses agents font constamment des incantations contre nos pensées pour souiller nos pensées en permanence. Nous devons veiller sur nos pensées et combattre pour les garder toujours pures. N'oubliez pas que vous avez le pouvoir sur vos pensées. C'est à vous de soumettre vos pensées au Saint-Esprit. En résistant aux mauvaises pensées et les réfuter au nom de Jésus Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Philippiens 4.8. Sachez aussi que toutes ces mauvaises pensées et tous les raisonnements malsains que vous recevez chaque fois sont en fait des dialogues et des conversations que vous entretenez avec les démons. Quand vous commencez à être harcelé dans vos pensées, sachez que les démons sont là, tout près de vous, en train d'injecter des incantations dans vos pensées. Ils sont vraiment là, près de vous comme des gens avec qui vous causez souvent, à la seule différence que vous ne les voyez pas. Ils vous parlent, vous amènent à réfléchir, et les réponses que vous croyez vous suggérer dans les pensées, c'est en fait à leurs questions que vous répondez. Et quand vous ne savez pas prendre autorité sur ces mauvaises pensées, vous finissez par être vaincu par elles. Vous devez combattre sans perdre le temps, en frappant ces démons par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ, ensuite vous couvrez vos pensées par le sang du Seigneur. Voici comment vous devez combattre, vous démons qui êtes en train de me souiller les pensées, je vous détruis par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je libère mes pensées et je les couvre par le précieux sang de Jésus-Christ. 3.4 Les incantations. L'apparition des animaux dans la maison tels que les abeilles, les guêpes, les blattes, les moustiques, les poux, les mouches, les mille-pattes, les souris les tortues, les escargots, les araignées, et autres, est une autre voie empruntée par Satan et ses agents, pour nous atteindre. Vous devez combattre ces choses dans la prière, en frappant ces animaux sataniques par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ, et en fermant les portes qu'ils ont utilisées. Les tuer physiquement et les brûler si possible. Les fétiches sur les routes, la traversée des animaux sur nos chemins, les gens qui urinent sans discrétion dans des endroits découverts, sont autant d'incantations de Satan que nous ne devons pas trouver anodines. Il faut donc les annuler toutes. Les malédictions. Bien-aimés, apprenez à faire attention à toutes les mauvaises paroles et ou malédictions prononcées contre vous par des personnes autres que vous-même. Il arrive souvent après certaines discussions, que les gens vous lancent des paroles du genre ⁇ tu vas voir, ou telle chose va t'arriver, ou encore je t'aurai, etc. ⁇ Et parfois ce sont certains parents qui dans leur colère vous disent ⁇ tu ne réussiras jamais, tu ne deviendras rien dans ta vie, etc. ⁇ Sachez que toutes ces paroles sont de grandes incantations, que vous devez annuler au plus vite avant de quitter le lieu de la discussion. Je précise bien que vous devez les annuler sur place, au nom de Jésus-Christ. Mais si vous oubliez de les annuler sur place, faites-le dès que vous vous en souvenez. Si vous négligez et oubliez de les annuler, vous en souffrirez dans la réalité. Chaque fois que je donne cet enseignement, il y a toujours plusieurs témoignages qui viennent le confirmer. Je partagerai avec vous l'un de ces témoignages. C'est celui d'une femme qui avait été maudite par son père, pour avoir désobéi. Son père l'avait envoyée faire une course, elle avait refusé. Ce méchant homme lui avait alors dit Tu ne porteras jamais d'enfant sur tes genoux. Cette femme qui ne connaissait pas le Seigneur, ne savait pas qu'une telle malédiction devait être brisée. Et même si elle savait que cette incantation avait besoin d'être annulée, elle devait être incapable de le faire, parce que c'est au nom de Jésus-Christ seul que cela peut se faire. Elle n'avait pas Jésus. Elle était dans sa jeunesse, elle a grandi, s'est mariée. Elle a eu sept à huit grossesses qui ne sont jamais arrivées à terme. Elle est donc restée sans enfant après environ huit vraies grossesses. Voilà la méchanceté de l'homme. Cet animal était pourtant son père. Comprenez encore bien ici que la famille charnelle n'est pas une famille du tout. Cette malédiction ne pouvait s'arrêter que si cette femme rencontrait le Seigneur entre temps. Les frères auraient alors compris cette situation et auraient tout annulé au nom de Jésus. Malheureusement, elle n'a pas rencontré Christ. Vous devez éviter autant que vous le pouvez, d'avoir des disputes. Les agents de Satan exploitent toujours ces moments de dispute pour créer quelques portes et nous atteindre. C'est pour cela qu'ils nous provoquent très souvent. Quand une fois emportés par la colère, nous cédons et les injurions, une porte s'ouvre, et ils peuvent agir. Vous devez donc éviter de vous mêler aux disputes, et si cela arrive, veillez à annuler toutes les mauvaises paroles qui vous seront adressées, et à fermer toutes les portes ouvertes. Vous lirez à la fin de cet enseignement comment fermer les portes ouvertes. Il y a aussi les gestes qui constituent des grandes malédictions et incantations, que vous devez prendre très au sérieux. C'est le cas de ces femmes qui se déshabillent partiellement ou totalement devant des gens pour les maudire. Retenez que toutes les femmes qui s'adonnent à ces pratiques sont de véritables sorcières. Ne sous-estimez pas leurs incantations, sinon vous le regretterez. Annulez toutes leurs incantations et toutes leurs malédictions sur le champ, au nom de Jésus-Christ. 3.6 les paroles. Les paroles de séduction telles que ma chérie, ma femme, mon chéri, mon mari, alors qu'il ne s'agit nullement de sa propre femme ou de son propre mari. Les paroles de flatterie, grand frère, chef, grande sœur, alors qu'on s'adresserait en fait à un plus petit que soi. Certains compliments, tu es très belle, tu es charmante, tu es beau, tu es séduisant. Les surnoms comme bébé qui restent jusqu'à l'âge adulte, vieux alors qu'on s'adresserait en fait à un enfant ou à un petit, ma mère, alors qu'il s'agirait d'une femme s'adressant à une petite fille, coépouse, alors qu'en fait les concernés ne sont nullement coépouses, des noms d'animaux, surnoms entre garçons pour parler de leur force ou relever un aspect particulier de leur personnalité, les paroles dévalorisantes, tu n'es bon à rien et autres moqueries. Je voudrais à ce propos vous donner un témoignage. C'est celui d'une sœur qui subissait régulièrement des attaques de nuit sous forme d'abus sexuels. Elle priait et menait son combat tout en suppliant le Seigneur de lui révéler ce qui avait bien pu donner un tel accès à Satan sur sa vie. Une nuit, alors que la même scène se reproduisait, elle reconnut clairement le visage d'un vieux monsieur qui habitait son quartier. En effet, ce vieux monsieur avait l'habitude de passer le plus clair de son temps assis devant sa porte à observer les allées et venues des passants. La sœur, à son passage, le saluait et recevait également ses salutations. Le vieux monsieur avait l'habitude de lui dire Ça va ma chérie, et elle, par politesse, répondait par l'affirmative. Lorsque par la grâce de Dieu, elle eut reconnu en ce monsieur, l'auteur de ses sévices nocturnes, elle chercha à comprendre pourquoi c'était ce monsieur-là, et elle prit un temps de jeûne. C'est alors que le Seigneur lui révéla que cet homme était un sorcier. Dès lors, le mot « ma chérie » qu'il utilisait n'était donc pas anodin. Une autre fois, lorsqu'elle fut de passage, ce sorcier, comme à l'accoutumée, lui demanda « ça va ma chérie ?» Elle reprit le sorcier très sévèrement, lui rappelant que c'était bel et bien la dernière fois qu'il l'appelait ainsi. Depuis ce jour, ses attaques de nuit cessèrent définitivement. Sachez bien aimé, que certaines de ces paroles d'apparence anodine ou réellement anodine, sont de vraies incantations selon les personnes qui les prononcent. Quand de telles paroles viennent de personnes normales, c'est presque sans danger. Pourtant, quand elles viennent des satanistes, ce sont de grands pièges. Vous devez faire très attention à toutes ces paroles de séduction, de flatterie et autres. Vous devez être très attentif à ne pas les valider sans réfléchir. Et accidents. Tous les accidents que vous voyez et dont vous entendez parler, qu'ils soient d'avion, de voiture, de train ou de quelque autre nature, qu'ils soient dirigés contre les enfants de Dieu ou contre les hommes de ce monde, sont l'œuvre de Satan et de ses agents. Voilà autant de sujets de combat. 3.8 Les maladies. Chaque fois que Satan et ses agents le peuvent, ils nous frappent de toutes sortes de maladies. Nous devons donc savoir leur résister par la foi et par la prière, et intercéder sans cesse pour notre santé, et la santé des autres enfants de Dieu et des serviteurs de Dieu. Ne tombez pas dans le piège d'abandonner la foi pour courir chaque fois vers les hôpitaux. De plus en plus les enfants de Dieu abandonnent la foi, et sont chaque fois prêts à recourir aux hôpitaux, pour un moindre rien. C'est encore là une grande ruse de Satan. N'oubliez pas que l'hôpital reste une grande porte ouverte à Satan, avec beaucoup de pratiques abominables qui y sont faites. Quand votre foi ne suffit pas pour vous guérir, faites appel aux autres frères, et ensemble, criez au Seigneur. Ok homme de Dieu. Nous avons fini avec la notion de porte ouverte. Maintenant la prochaine phase c'est le combat. Qu'est-ce que combattre et comment combattre Le combat. Dans cette partie de l'enseignement, je verrai avec vous ce que veut dire combattre, et surtout comment combattre et être vainqueur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quatre points, que veut dire combattre Combattre dans un premier temps, consiste d'une part, à veiller à ne pas ouvrir à Satan les différentes portes que nous avons citées, et d'autre part, à fermer ces portes dans le cas où elles seraient déjà ouvertes, c'est ce que j'appelle le premier niveau de combat. Ce premier niveau de combat doit être mené par tous les enfants de Dieu, sans exception, car il y va de notre survie, et de notre épanouissement spirituel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Jérémie 48, 10. Dans un second temps, combattre consiste à s'opposer à Satan et ses agents dans leurs actions criminelles dans ce monde, à les stopper, sinon les ralentir dans leurs projets de destruction. C'est ce que j'appelle le second niveau de combat. Chaque enfant de Dieu qui s'engage à vivre une vie de sanctification devrait être en mesure de mener ce combat. Enfin dans un troisième temps, Combattre consisterait à s'élever contre l'autorité de Satan au nom du Seigneur Jésus Christ, dans le but de libérer les captifs, et d'affranchir ceux qui sont encore dans divers liens et chaînes sataniques. Ce niveau de combat doit être mené seulement par les hommes, et les hommes bien affermis. C'est ce dernier aspect de combat que je n'enseigne pas souvent à tous les chrétiens, de peur que les personnes mal affermies ne se fassent détruire par Satan. Pour la même raison, je ne développerai pas ce dernier aspect de combat dans cet enseignement. Ceci veut dire en clair que, dans le cadre de cet enseignement, je me limiterai seulement au genre de combat que chaque vrai enfant de Dieu peut mener. En d'autres termes, le combat tel qu'il est étudié dans cet enseignement, peut être mené par chaque vrai enfant de Dieu engagé, homme et femme. 4.2 EGAR aux séducteurs. Quelques agents de Satan dans leur ruse vous diront que le Seigneur Jésus Christ avait déjà tout fait, qu'il avait tout accompli à la croix, qu'il avait déjà libéré tous les captifs, et affranchi ceux qui étaient enchaînés, et ils vous rappelleront que vous n'avez plus rien à faire. Je profite à ce niveau pour vous donner un autre élément de discernement. Vous reconnaîtrez ces agents de Satan au milieu de vous, par ce genre de langage de séduction, assaisonné de ruses, et donnant une impression d'innocence et de naïveté. Ne tombez pas dans le piège de ces démons. Ils savent ce qu'ils font. Ils ne sont pas aussi naïfs que vous le pensez. Leurs paroles sont de vrais venins, de terribles incantations. Chaque fois qu'on enseigne sur le combat, ils font l'effort de banaliser l'enseignement, de souiller les pensées des faibles en donnant l'impression que combattre serait souffrir pour rien parce que Jésus aurait déjà tout fait. Quand on parle d'attaque de nuit, ils vous disent que c'est anormal qu'on dise encore qu'un enfant de Dieu peut être attaqué par Satan, alors que le sang de Jésus nous recouvre. Ils souillent les pensées des faibles en donnant l'impression que le fait d'être couvert par le sang de Jésus, met les enfants de Dieu à l'abri de toutes les attaques. Quand on vous encourage à fuir les parfums, ces mêmes séducteurs vous demandent pourquoi est-ce qu'on interdit le parfum alors que Jésus lui-même avait dit de parfumer la tête quand on jeûne. Nous ne sommes pas en train d'interdire le parfum, nous encourageons plutôt les enfants de Dieu qui veulent se sanctifier à fuir la convoitise du monde. Ceux qui veulent s'entêter sont libres de le faire. Si Dieu lui-même laisse à chacun le soin d'obéir ou de ne pas obéir, ce n'est pas nous qui ferons le contraire. Que les vrais enfants de Dieu comprennent qu'ils doivent fuir les parfums. C'est vraiment étonnant de voir comment ces gens trouvent toujours des raisons pour distraire et détourner les enfants de Dieu. Matthieu 6h17 dit, Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage. Le contexte dans lequel le Seigneur parle ici n'a déjà rien à voir avec le parfum. Même l'homme le plus ignorant ne peut pas trouver de problème dans ce passage, surtout quand on lit tout le message du Seigneur. Et vous savez vous-même que depuis que nous jeûnons, nous n'avons jamais parfumé nos têtes dans le sens charnel du terme. E profite ici pour faire cette précision le mot parfumé ici veut dire oindre ou mettre de l'huile sur. Cela n'a rien à voir avec l'utilisation d'un parfum quelconque. En lisant ce même verset dans d'autres versions françaises de la Bible, ces séducteurs ne peuvent qu'être confus et fermer la bouche. Voici ce que les versions Martin, Darby et Osterwald disent Mais toi, quand tu jeûnes, oint ta tête et lave ton visage. Les versions anglaises n'ont même déjà pas ce problème. Toutes parlent de oindre la tête ou de mettre de l'huile sur la tête. Faites donc attention. Les gens au cœur mal disposé qui ne sont pas prêts à mettre la parole en pratique ne manquent jamais d'arguments pour se séduire et séduire les autres. Si vous voulez avancer avec Dieu, fuyez tous ces séducteurs. Quand on demande aux enfants de Dieu de s'éloigner des sorciers et d'éviter de tisser des liens avec les sorciers, les agents de Satan vous disent que c'est étonnant de voir les enfants de Dieu fuir les sorciers, alors que Jésus leur aurait donné toute la puissance pour délivrer tous les sorciers. Il vous démontre que Dieu, le tout-puissant, celui qui a fait les cieux et la terre, celui qui est maître de tout, ne peut pas perdre quelque chose qui lui appartient et à laquelle il tient. Ils vous disent que vous pouvez dormir sur la même couche que Satan en personne et pouvez aller vers une femme même si elle est le bras droit direct de Satan, tant que vous êtes fidèle à votre Dieu, parce que Dieu ne permettra jamais qu'un seul de vos cheveux tombe. Ces paroles de séduction, pleines d'orgueil et de fausses assurances, sont absolument vides de sens pour ceux qui ont le discernement parce que ceux qui sont réellement fidèles à leur Dieu ne prendront jamais le risque de dormir sur la même couche que Satan en personne, et ne tenteront jamais leur Dieu en allant vers une femme sachant qu'elle est le bras droit direct de Satan. C'est aussi simple que cela. Dieu dans son amour rend toujours l'idiotie de ces gens très apparente. Ils croient toujours connaître autant que nous, mais ils ne comprennent jamais ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Laissez-moi rappeler à ces démons que Dieu, le Tout-Puissant, celui qui a fait les cieux et la terre, celui qui est maître de tout, avait éperdu Salomon qui pourtant avait été choisi par Dieu, et qui était quelqu'un à qui Dieu tenait, et pour preuve Dieu avait tout investi en lui, et l'avait placé au-dessus de tous, en sagesse et en richesse. Il était allé vers les femmes sorcières qu'il avait finalement avalées. Il avait cru, comme ces démons le disent, que l'on pouvait prendre le risque de dormir sur la même couche que Satan en personne, et aller impunément vers une femme bras droit direct de Satan, sous prétexte que l'on est fidèle à son Dieu. Ils vous disent aussi d'ignorer Satan, et que combattre Satan serait synonyme de donner à Satan plus d'importance qu'il n'en a. Je le répète, ne tombez jamais dans le piège de ces démons. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ils ont pour mission de séduire les enfants de Dieu pour les amener dans le péché d'orgueil, et dans d'autres pièges de Satan. Ils font exactement le travail de leur père Satan. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit Si tu es fils de Dieu, j'ai toi en bas car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Matthieu 4, 5-6. C'est ce même langage que ces sorciers tiennent, pour séduire les enfants de Dieu, si vous êtes des vrais enfants de Dieu, pourquoi avez-vous peur des sorciers Jésus ne vous a-t-il pas donné le pouvoir sur les sorciers Ne croyez pas que ces gens sont idiots, ce serait une erreur grave. Ils ne le sont pas, ce sont juste d'habiles séducteurs. Leurs langues sont des vrais venins, et leur semblant d'assurance, des terribles flèches bien aiguisées. Fuyez ces sorciers, éloignez-vous de ces fils du malin. Leur condamnation est arrêtée depuis longtemps. Les points de contact. Les satanistes pour nous avoir, ont très souvent besoin des points de contact avec nous. Ces points de contact peuvent être des visites chez nous, des appels téléphoniques, des informations nous concernant, des personnes qui ont des contacts avec nous, des choses que nous achetons, recevons ou offrons, des objets trouvés, des choses qui nous appartiennent, etc. Vous devez veiller à annuler et à effacer tous ces points de contact. C'est en cela que consiste le combat spirituel à ce niveau. 5.1 Les visites chez nous. Vous devez toujours prier, et tout couvrir par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Vous devez éviter de recevoir les gens de Satan dans vos maisons, et si vous vous trouvez dans l'obligation de les laisser entrer dans votre maison, vous devez prendre toutes les dispositions possibles, de prudence et de vigilance. Vous devez prier et couvrir toute la maison par le sang du Seigneur Jésus-Christ, et annuler toute leur puissance et toutes leurs incantations, avant qu'ils arrivent. Et après leur départ, vous faites le même travail. Ne les laissez pas rentrer dans vos chambres, et veillez à ce qu'ils ne se faufilent pas dans la maison n'importe comment. N'oubliez pas que les toilettes sont les endroits préférés des satanistes, pour faire leurs incantations. Couvrez les toilettes par le sang de Jésus et annulez toutes les incantations qui y ont été faites. Dans l'ensemble, ne laissez jamais les gens qui vivent hors de votre maison rentrer dans les chambres de votre maison n'importe comment. Vous devez faire preuve de beaucoup de discipline, de rigueur, et de fermeté. Voici une règle de prudence à adopter, puisque nous ne pouvons pas chaque fois savoir si les gens qui rentrent dans nos maisons, ou les gens avec qui nous sommes sont des satanistes ou non, nous devons par prudence, adopter les mêmes précautions, c'est-à-dire tout purifier, tout sanctifier, et tout couvrir par le sang de Jésus. 5.2 Les appels téléphoniques et les correspondances. Vous devez éviter de recevoir les appels téléphoniques des gens de Satan, à moins que cela ne soit absolument nécessaire. Et dans ce cas, vous devez prier et couvrir votre communication par le sang du Seigneur Jésus-Christ, et annuler toutes leurs incantations. Les agents de Satan savent faire des incantations pour nous atteindre par des coups de fil. Ne les sous-estimez jamais. Vous devez aussi purifier et couvrir toutes les lettres que vous recevez des gens de Satan, avant de les ouvrir ou de les lire. Par prudence, couvrez toutes les lettres par le précieux sang de Jésus-Christ avant lecture. Laissez-moi vous donner ce petit témoignage, que le Seigneur m'a accordé la grâce de vivre en direct. J'ai reçu un jour chez moi un groupe de techniciens qui étaient venus pour la rénovation de la maison. Pendant que nous étions en train de discuter des détails du travail, le téléphone de leur responsable a sonné. Il a retiré le téléphone de sa poche, l'a rapproché de sa bouche, et a dit Appel transféré à Lucifer. Après cela, il a décroché, et a commencé à parler à celui qui l'appelait. Je ne sais pas si les autres personnes qui étaient là avaient même compris la signification de ce qui venait de se passer. Le Seigneur voulait me donner une autre preuve que l'enseignement que nous avons reçu concernant le camp de Satan est vrai et que le combat spirituel est bien plus réel que nous ne le pensons. Ce sataniste lui-même n'a pas compris comment il a pu se trahir de cette manière en oubliant qu'il n'était pas seul. Il avait des tatouages bizarres sur lui, mais je ne pouvais pas m'imaginer que j'avais affaire à un puissant luciférien. Le fait que je le sache m'a fait neutraliser sa puissance satanique, et jusqu'à la fin des travaux, il avait du mal à rentrer chez moi pour superviser les travaux. Voilà bien aimé, comment plusieurs des appels téléphoniques que vous faites, sont directement transférés à Lucifer, et vous vous retrouvez, sans le vouloir et sans le savoir, en train de causer avec Satan en personne. Si vous ne voulez pas vous retrouver en train de parler avec Lucifer en personne, veillez à couvrir tous vos coups de fil entrant et sortant, par le précieux sang de Jésus-Christ. 5.3 ou les informations vous concernant. Pour ce qui est des informations vous concernant, vous devez, premièrement, éviter autant que vous le pouvez, de donner vos informations aux satanistes et aux gens suspects et douteux en général. Deuxièmement, puisqu'il est impossible de contrôler et de protéger vos informations, vous devez constamment prier et couvrir toutes vos informations que les satanistes détiennent, par le sang du Seigneur Jésus-Christ, et annuler toutes les incantations qu'ils ont déjà pu faire contre vous. Il y va de même lorsque vous êtes obligé de donner vos noms ou identités dans les lieux publics, écoles, universités, lieux de travail, etc., ou à des personnes qui vous les demandent. 5.4 Les personnes qui nous fréquentent. Les agents de Satan quand ils ne peuvent pas nous avoir, passe par des personnes qui nous fréquentent, pour nous atteindre. Pour cette raison, les enfants de Dieu doivent se séparer de tous ceux qui prétendent être avec eux, mais sont aussi en contact avec les agents de Satan. Vous devez chasser tous les traîtres du milieu de vous, et vous devez vous séparer de tous ceux qui jouent dans deux camps. Ils constituent une vraie porte ouverte pour vous. C'est inadmissible que quelqu'un prétende être de tout cœur avec vous, pendant qu'il est également de tout cœur avec vos ennemis. Il y a aussi le cas des gouvernantes, des servantes et autres domestiques qui travaillent dans vos maisons et qui sont au contact de vos enfants. Parmi eux, il y a des agents de Satan, des vrais satanistes. Il est très facile pour ceux qui sont satanistes d'initier vos enfants, à votre insu, et les transformer en de redoutables sorciers. Pour cela, il faut faire très attention quand vous devez prendre des gouvernantes ou des domestiques pour s'occuper de vos enfants. Il y va de même pour les personnes à qui vous confiez vos enfants pour quelques heures par jour, soit en crèche ou à domicile, parce que vous êtes obligé d'aller travailler. Là également le combat à mener doit être rude et sans relâche, si vous ne voulez pas voir vos vies détruites par vos propres enfants qui auraient été complètement initiés. Ne confiez pas vos enfants aux gens dont vous ne connaissez pas la nature spirituelle, c'est très risqué. Vous devez mener suffisamment d'enquêtes sur des inconnus à qui vous voulez confier la garde de vos enfants. Sachez qu'il est plus facile d'initier les petits enfants que les grandes personnes. 5.5 Les choses achetées, reçues ou offertes. Vous devez tout purifier et tout sanctifier par le sang du Seigneur Jésus Christ. Tout ce que vous achetez sur les marchés, qu'il s'agisse des choses à manger ou des autres objets, et tout ce que vous recevez gratuitement. Vous devez aussi couvrir par le sang du Seigneur Jésus Christ tout ce que vous offrez aux gens. Il y a deux raisons à cela. Même les choses offertes aux satanistes leur servent de point de contact pour atteindre ceux qui leur ont offert ces choses. Les sorciers, pour détruire vos relations, peuvent faire des incantations sur les choses que vous offrez aux gens dans le but d'amener ces gens à vous soupçonner. En couvrant par le sang de Jésus-Christ ce que vous offrez aux gens, vous annulez de telles incantations. 5.6 Les objets ramassés, que les gens ont jetés. Vous devez gérer le cas des objets que les gens jettent et que vous ramassez, comme le cas des choses achetées, reçues ou offertes. Ces objets peuvent constituer des portes ouvertes. Pour cela, vous devez les purifier tous avant de les utiliser. N'oubliez pas que certaines de ces choses sont des pièges tendus par le monde des ténèbres. Puisque dans ce cas il ne s'agit pas d'un vol, vous pouvez annuler toutes les incantations faites dessus et les utiliser sans danger. 5.7 Les choses qui vous appartiennent. Vous devez toujours couvrir par le sang de Jésus toutes les choses qui vous appartiennent. Parmi ces choses que les gens de Satan collectent très souvent, il y a le sang, le sperme de l'homme, les photos, les cheveux, les ongles, les vêtements, les sous-vêtements, les chaussures, les chaussettes, etc. Mais quand ils peuvent attraper n'importe quoi nous appartenant, cela leur sert de point de contact pour faire des incantations contre nous. Quand vous priez, ne vous limitez donc pas à la liste que je viens de donner. Couvrez par le sang du Seigneur Jésus-Christ tous vos objets détenus dans le monde satanique, et sur lesquels ils font des incantations contre vous. Détruisez ces objets par le feu de Dieu, et annulez toutes les incantations qu'ils ont déjà pu faire contre vous. Permettez-moi de revenir sur certains des éléments cités, notamment le sang, le sperme de l'homme, les ongles et les cheveux. Veillez à ne pas laisser votre sang couler quelque part, et chaque fois que vous avez une blessure, si votre sang a coulé, couvrez-le par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Les femmes doivent faire très attention quand elles ont leur menstruation, parce que les satanistes guettent tous les déchets qu'elles jettent souvent. Il y a beaucoup de satanistes qui fouillent les poubelles pour voir si les femmes n'ont pas jeté les déchets des cotons ou serviettes hygiéniques qu'elles utilisent pendant leur période. Et quand ils arrivent à avoir ces choses, ils font de terribles incantations contre les femmes qui les ont jetées. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent atrocement de maux de ventre, des maux de bas-ventre, des règles extrêmement douloureuses, de la stérilité, etc. À partir de ce moment, veillez à ne plus jeter vos déchets n'importe comment et n'importe où. Et même quand vous devez les jeter, couvrez tout par le sang du Seigneur Jésus-Christ, afin que, même si les satanistes tombent dessus, ils soient incapables de les exploiter. Et si dans le passé vous avez été négligente et que vous vous retrouvez en train de souffrir l'une des conséquences que je viens de citer, vous devez demander pardon à Dieu pour votre négligence ou pour votre ignorance, ensuite vous devez prier pour annuler toutes ces incantations qui ont été faites sur vous à travers votre sang ou à travers ces objets. Annulez-les au nom de Jésus-Christ. Les hommes également doivent faire attention à tout ce que les satanistes peuvent chercher à collecter d'eux. Pour les hommes qui ont au moins une fois eu des rapports sexuels avec des femmes sorcières, il y a lieu pour eux d'examiner leur vie, et d'agir si cela semble nécessaire. Très souvent quand vous avez le malheur d'avoir des rapports sexuels avec les satanistes, elles font tout pour collecter votre sperme dans le but de faire des incantations et vous tenir captif pour toujours. Les hommes qui utilisent les préservatifs comme les condoms sont aussi exposés à ce genre de risques. Chaque fois que ces préservatifs sont jetés, les démons les collectent et en font de grandes incantations contre la vie de ceux qui les ont utilisés. C'est pour cela que beaucoup d'hommes souffrent sans savoir ce qui leur arrive et sans comprendre l'origine de ce dont ils souffrent. Si vous vous retrouvez dans des cas pareils, agissez rapidement. Demandez pardon au Seigneur pour votre faute, et priez pour annuler toutes les incantations qui ont été faites sur vous à travers votre sperme. Retenez aussi que les satanistes cherchent toujours à voler un petit élément de vous, comme un maillot de corps, ou un sous-vêtement, ou n'importe quel autre petit objet vous appartenant, par lequel ils feront des incantations contre vous. 5.8 cas des hommes qui ont des femmes sorcières. Le cas des hommes qui ont épousé des femmes sorcières, est encore plus grave. Ces sorcières ont tout le temps qu'il leur faut pour faire des incantations sur leur mari, et elles ont la liberté de collecter tout ce dont elles ont besoin pour réussir chaque incantation qu'elles veulent faire. C'est pour cela qu'il devient souvent très très difficile de sauver ces hommes. Même pour ceux qui sont chrétiens, le combat pour les regagner à Christ est souvent très difficile. Pour les hommes chrétiens qui ont des femmes sorcières, leurs cas sont d'autant plus graves qu'ils ne se rendent même pas compte de la gravité du danger qui les entoure. Leurs femmes sorcières les ont tellement liés par leurs incantations que même quand on leur démontre que leurs femmes sont sorcières, ils prennent plutôt la défense de leurs femmes. Parfois tout le monde autour d'eux voit et décrit les œuvres abominables de leurs femmes, et ils sont les seuls à ne rien voir parce qu'ils sont totalement liés et attachés. Généralement quand vous tentez d'aider ces frères en leur disant que leurs femmes sont de véritables sorcières, vous devenez leurs ennemis. Pourtant, les œuvres de leurs femmes sont visibles aux yeux de tous. C'est ici un grand combat que les chrétiens doivent mener, jeûner et prier pour les vrais enfants de Dieu qui ont des femmes sorcières. Vous devez prier pour briser les chaînes et les liens qui tiennent ces frères captifs. Vous devez détruire les cages dans lesquelles ils sont enfermés, parce que plusieurs parmi eux sont carrément dans des cages sataniques bien fermées. Ne soyez donc plus étonnés, bien-aimés, de voir le degré d'entêtement et d'aveuglement des frères qui ont des femmes sorcières. Ils sont liés et totalement aveuglés. Quand ils défendent leurs femmes sorcières, ils ne savent même pas ce qu'ils font. Ce n'est que quand la délivrance s'opère et que leurs yeux s'ouvrent, qu'ils réalisent qu'ils étaient liés et complètement attachés. Le combat à ce niveau, consiste donc à détruire les œuvres de ces femmes sorcières, en combattant comme le Seigneur vient de nous l'enseigner, en consumant toute leur puissance satanique par le feu de Dieu, et en libérant les frères captifs. Vous devez dénoncer ces femmes sorcières, et exposer leurs œuvres. Voilà un autre aspect très important du combat spirituel. Une fois que les sorciers sont dévoilés, Dieu anéantit leur projet. Nemie 4h15. Si j'ai insisté sur le cas de femmes sorcières, c'est parce qu'elles sont en plus grand nombre que les hommes sorciers. Ceci dit, vous ne devez pas négliger les sœurs qui ont des maris sorciers. Il y a plusieurs enfants de Dieu-femmes qui ont été engloutis dans la sorcellerie de leur mari et se sont détournés de Dieu. Le combat que vous menez pour libérer les frères qui sont dans les liens des sorcières, c'est ce même combat que vous devez mener pour les sœurs qui ont des maris sorciers. Avec tout ceci, vous pouvez alors comprendre pourquoi Dieu a demandé qu'on ne nomme pas anciens les hommes qui ont des femmes sorcières. C'est parce que ces frères, malgré toute leur bonne volonté et leur désir de servir Dieu fidèlement, n'y arriveront pas. Les Gézabels qu'ils ont, vont toujours les monter contre Dieu. Comme ces Gézabels ne se soumettent jamais à la parole de Dieu et ne mettent jamais la parole de Dieu en pratique, par leur séduction et par leurs incantations elles poussent toujours leur mari à ne prêcher que le genre d'évangile qu'elles préfèrent. Et vous rencontrez alors des pasteurs zélés et sincèrement engagés, qui connaissent bien la parole de Dieu, mais qui ne peuvent pas la prêcher. Chaque fois qu'ils se mettent à enseigner, le message est toujours dilué, à cause de leur Jézabel qui commande tout. Le combat est réel bien aimé. Voilà la principale raison pour laquelle il y a trop peu de pasteurs qualifiés aujourd'hui. Sur mille anciens, c'est-à-dire apôtres, prophètes, docteurs, évangélistes, pasteurs et autres, qui existent aujourd'hui, vous avez au maximum trois qualifiés. C'est pour cela que Satan a pris le contrôle des églises. Vous comprenez bien maintenant quel temps nous vivons. Que Dieu soit loué. Laissez-moi vous donner un autre élément de discernement. Si vous voulez connaître les Jésabelles qui sont au milieu de vous, prêchez en disant que les rouges à lèvres sont permis, que la femme ne doit pas se voiler à tout moment, que les femmes peuvent utiliser tous les produits possibles pour transformer leurs cheveux, que les maquillages doivent être tolérés, etc. et vous les entendrez crier grandement Amen, ou se mettre debout pour applaudir. Voilà autant de choses qui nous permettent de connaître les agents de Satan au milieu de nous. Dès que tu leur dis que la folie peut être tolérée, leurs réactions sont immédiates, leur joie éclate. 5.9 Les femmes et l'accouchement Les femmes qui vont à l'hôpital pour accoucher doivent veiller à couvrir leur sang par le sang de Jésus-Christ. Et pour vous tous qui avez répondu aux appels de dons de sang, et qui avez donné votre sang, sachez que ceux qui collectent ces sangs sont en majorité des satanistes. Qui les utilisent plutôt pour leurs œuvres sataniques. Et la quasi-totalité de ce sang collecté et gardé dans les hôpitaux, est volé par les satanistes pour aller ravitailler leur banque de sang. Et quand ils le volent, ils le remplacent par un faux sang, juste un liquide rouge bien souillé, prêt à contaminer ce sang qui l'on va l'injecter. Vous savez maintenant ce qu'il faut faire dans chaque cas repentance, prière et combat. Je voudrais vous révéler d'autres pratiques sataniques qui se passent souvent dans les hôpitaux lors des accouchements. Les satanistes accoucheurs ont l'habitude, soit de remplacer vos bébés après l'accouchement par des bébés démons quand ils en ont l'occasion, soit d'initier à la sorcellerie vos bébés dès l'accouchement. Ils le font pendant que la mère est encore sous l'effet de l'accouchement. Généralement après l'accouchement, ces sorciers emmènent le nouveau-né dans une autre salle sous prétexte de le nettoyer et ou le peser, et profitent à votre insu, soit pour le remplacer par un bébé démon destiné à ruiner toute votre vie, soit pour l'initier à la sorcellerie. Ce dernier cas est très fréquent. C'est ainsi que plusieurs femmes sortent de l'hôpital avec un enfant différent de celui qu'elles ont accouché, sans le savoir. Quand ils réussissent à échanger votre bébé, ils vous le remplacent par un bébé démon bien préparé à l'avance, et qui ruinera toute votre vie. Et dans ce cas, le vrai enfant est généralement détourné par ses sorciers pour les sacrifices humains qu'ils ont l'habitude de faire. Et quand ils ne peuvent pas remplacer votre bébé, ils font des incantations sur l'enfant, et l'initient à la sorcellerie. Vous vous retrouvez avec un enfant sorcier, qui rendra votre vie amère. Vous devez donc vous organiser lors des accouchements, à redoubler de vigilance et de surveillance autour de votre bébé. Vous devez veiller à ce que quelqu'un des vôtres, le papa, ou un membre de la famille, soit présent lors de l'accouchement, pour suivre votre enfant dès sa sortie du sein maternel jusqu'à sa sortie de l'hôpital. 5.10 Les cheveux et les ongles Les hommes qui vont chez les coiffeurs se faire coiffer, doivent veiller à couvrir tous leurs cheveux par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Et même les femmes qui font leur tresse entre elles doivent prendre les mêmes précautions. La prudence doit rester la clé principale. Vous ne savez jamais où certains de vos cheveux peuvent se retrouver. Je conseille toujours aux frères d'apprendre à se couper les cheveux entre eux. Cela leur évite de se retrouver dans les salons abominables, qui sont un terrain propice à Satan pour ses incantations. Adoptez les mêmes règles de prudence pour vos ongles. Ne les jetez jamais sans les couvrir par le sang de Jésus. L'on n'a plus besoin de rappeler aux femmes que les salons de coiffure et de manucure pédicure sont des lieux sataniques qu'elles doivent fuir. 5.11 Les mouchoirs jetables. Faites aussi attention à tous les mouchoirs jetables que vous utilisez soit pour vous moucher, soit quand vous transpirez. Les sorciers guettent toutes ces choses pour des incantations, et par la grâce de Dieu certains de ces sorciers ont été attrapés, et ont avoué leurs abominations et leurs projets de méchanceté. Ne prenez donc pas à la légère les menaces de Satan et de ses agents. Veillez à couvrir par le sang de Jésus même vos poubelles d'ordures ménagères. Veillez à tout ce que vous jetez, même ce que je n'ai pas cité. Que le Seigneur vous ouvre les yeux sur les œuvres de Satan, afin que vous soyez extrêmement vigilants. 5.12 Les photos. Faites aussi très attention à vos photos. Quelques-unes sont certainement en train de circuler chez les sorciers et les marabouts. Tout ce qu'il y a lieu de faire maintenant, c'est de couvrir toutes ces choses qui seraient déjà entre les mains des sorciers et dans le monde de Satan, par le sang de Jésus-Christ, et d'annuler toutes les incantations qui ont déjà été faites sur ces choses contre vous. Il est plus facile pour vous maintenant de comprendre pourquoi le Seigneur nous demande de fuir les choses du monde. Elles sont un grand piège pour nous. En dehors des quelques photos que nous pouvons appeler d'identité, toutes les autres ne sont là que pour satisfaire la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. 5.13 Les dentistes. Pour ceux parmi vous qui ont déjà été chez des dentistes se faire arracher les dents, sachez que certains de ces dentistes sont de grands satanistes, et dès qu'ils enlèvent vos dents, ils les gardent soigneusement, parce qu'ils en ont besoin dans le monde spirituel, pour des incantations contre vous. S'il vous arrive d'aller chez un dentiste vous faire arracher une dent, récupérez votre dent en rentrant. Faites pareil pour toutes les autres choses que je n'ai pas pu citer. 5.14 Les rapports sexuels avec des satanistes. Pour ceux parmi vous, hommes ou femmes, qui dans le passé ont eu des rapports sexuels avec des satanistes, ne soyez pas étonnés qu'ils aient pu soutirer quelque chose de vous, qui serait actuellement dans leur monde, et serait en train d'agir contre vous. Si vous souffrez encore des choses que vous ne comprenez toujours pas, voilà l'une des pistes que vous devez examiner. 5.15 Le danger d'héberger les agents de Satan. Je viens de parler du cas des rapports sexuels, mais il n'y a pas que cela. Cet avertissement concerne tout le monde. Même ceux qui par la grâce de Dieu n'ont jamais eu de rapport sexuel avec les satanistes. Quand bien même les péchés sexuels seraient une bonne occasion pour les satanistes pour collecter ce qu'ils recherchent pour nuire aux gens, ces monstres ne manquent jamais de trouver d'autres chemins, quand le chemin des rapports sexuels leur est fermé. S'il vous est arrivé d'héberger les satanistes, vous êtes probablement dans le même cas. C'est une chose terrible d'héberger les gens de Satan. Étant de la maison, ils ont et le temps, et la liberté de se faufiler dans la maison. Ils en profitent pour faire des incantations sur vos vêtements, vos sous-vêtements, afin que vous vous retrouviez dans des péchés sexuels. Ils ont également le temps de soutirer certains de vos objets qui leur seront utiles dans leur monde pour agir contre vous. C'est pour cela qu'il y a des choses qui arrivent aux enfants de Dieu, et qu'ils n'arrivent ni à comprendre, ni à expliquer. Quand vous habitez avec ces agents de Satan, vous constatez souvent la disparition de certains de vos sous-vêtements si vous êtes vigilant. Quand ils ne peuvent pas avoir accès à vos sous-vêtements, ils prennent autre chose. Mais ce qu'ils recherchent généralement, ce sont les sous-vêtements. Et quand ils réussissent à en voler, ils réussissent à vous entraîner dans des péchés sexuels par leurs incantations. N'hébergez jamais les gens chez vous à moins que vous ne vous rassuriez que ces gens sont de Dieu, et ne constitueront en rien une porte ouverte dans votre maison. Vous devez bien prier et vérifier, et si possible demander conseil avant d'accepter les gens sous votre toit. Quand vous hébergez les agents de Satan, vous et votre maison êtes en danger. En plus des incantations que ces agents de Satan font sur vos vêtements et vos objets, ils font également beaucoup d'incantations sur les nourritures que vous mangez. Et quand ils ont accès à la cuisine et ont l'occasion de faire la cuisine pour vous, votre cas devient plus grave. Ils mélangent vos nourritures avec toutes les souillures possibles, pour vous initier. Et ces gens quand ils sont dans vos maisons, ils aiment bien faire la cuisine, comme s'ils voulaient vous aider, alors qu'ils recherchent juste des lieux stratégiques pour vous nuire. Sachez très bien que si vous hébergez les satanistes, c'est pour votre propre malheur, si vous les hébergez, c'est à vos risques et périls. Si vous tenez à votre vie et à votre salut, n'hébergez jamais les satanistes, et ne tombez jamais dans le piège d'avoir pitié des satanistes. C'est un terrible piège pour vous. Parmi ces agents de Satan, certains savent se montrer gentils pour se faire héberger, d'autres savent faire pitié, pour se faire héberger. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Exercer l'hospitalité sans discernement, c'est un terrible piège, exercer la libéralité sans discernement, c'est également un terrible piège. Si vous devez exercer l'hospitalité, ou la libéralité, ou la charité, rassurez-vous que tous les éléments de discernement soient réunis. J'ai déjà enseigné aux enfants de Dieu de ne jamais héberger les gens sans l'avis de leurs dirigeants, ou de leurs anciens, qui sont supposés avoir plus de discernement qu'eux. Ceux qui obéissent à ces consignes échappent au danger, ceux qui s'entêtent en récoltent les fruits. J'ai également demandé aux serviteurs de Dieu d'être très vigilants et très stricts envers les gens qui malgré toutes les consignes, se faufilent dans les maisons et cherchent à convaincre les frères ignorants pour se faire héberger, ou pour faire héberger leurs enfants sans l'accord des dirigeants et des anciens. Quand vous attrapez les gens qui choisissent de violer toutes les consignes de prudence qu'on a enseignées, pour faire ce qu'ils veulent, retenez qu'il s'agit des agents de Satan. Ces gens ne suivront jamais les consignes que nous donnons, puisque ces consignes sont justement là pour les empêcher d'opérer. Et comme il faut bien qu'ils opèrent, ils trouvent toujours quelques raisons pour violer les consignes. Et quand on les attrape, ils disent soit qu'ils ne savaient pas, soit qu'ils n'avaient pas bien suivi les consignes, soit qu'ils pensaient que les consignes s'appliquaient à ceux du dehors. Dans tous les cas, ils trouvent quelques raisons pour vous endormir. N'oubliez pas que Satan est le père du mensonge, et ses agents excellents dans l'art de mentir. Et il fabrique des raisons tellement convaincantes que vous doutez de vous-même. N'hésitez pas à mettre ces gens hors de l'église. 5.16 Les animaux démons. Les satanistes utilisent aussi souvent des animaux pour nous attaquer. Ils le font généralement en envoyant des serpents dans les toilettes des gens ou dans les maisons, les moustiques pour sucer le sang, les souris dans les maisons, les mouches pour empoisonner les repas des gens, les abeilles, les oiseaux, les mille pattes, les cancrelats et autres insectes dans la maison. Ces animaux ne sont pas des animaux normaux, mais des démons. Quand vous utilisez des produits chimiques pour tuer ces animaux, ou quand vous leur tendez des pièges normaux, vous ne réussissez jamais à les tuer, parce qu'ils ne sont pas des animaux. Ce n'est que par la puissance de Dieu, au nom de Jésus Christ, que ces démons peuvent être vaincus. Parfois vous voyez tout un quartier ou toute une grande région envahie soit par des souris, soit par des cancrelats, soit par des moustiques, et tout le combat qu'on mène contre n'aboutit à rien. Seul le combat spirituel peut les vaincre. Dès que vous constatez l'apparition de ces animaux suspects dans votre maison, ne les négligez pas, sinon vous le regretterez. Il faut les combattre à temps, et avec sérieux. Priez et consumez tous ces animaux par le feu de l'Éternel, et purifiez votre maison. Sachez que vous pouvez aussi vous servir souvent de l'huile pour prier dans vos maisons. Les satanistes envoient ces petits démons dans les maisons pour plusieurs raisons sucer le sang, souiller les lieux, empoisonner les nourritures, créer les maladies et voler les choses, c'est pour cela que beaucoup de personnes constatent des disparitions de choses dans leur maison, et se mettent à soupçonner tout le monde en désordre. Ils envoient aussi ces animaux démons dans le but de nous espionner, nous guetter, et suivre nos conversations. Plusieurs satanistes ont aussi la capacité de se transformer eux-mêmes en toutes sortes d'animaux, pour rentrer dans nos maisons. Le but recherché étant toujours ce que nous venons de citer. La présence des hiboux, des chauves-souris et autres animaux bizarres dans vos concessions, témoigne de cela soyez vigilants vous devez donc être éveillé par rapport au combat spirituel et ne plus laisser satan et ses agents exploiter votre naïveté en la matière priez et détruisez tous ces animaux par le feu de dieu au nom de jésus et purifiez et couvrez constamment vos maisons par le sang de jésus n'oubliez pas aussi de couvrir chaque fois toutes vos communications et toutes vos conversations par le sang de jésus six autres séductions à éviter il y a d'autres séductions à éviter Plusieurs sorciers du Nigeria se sont lancés dans la production de films qu'ils appellent par séduction films religieux. Ils prétendent mettre les œuvres de Satan à nu dans ces films. Ne tombez pas dans leur piège, plusieurs de ces films sont des films de sorcellerie, non pas faits pour dénoncer la sorcellerie, mais bien conçus pour souiller et initier ceux qui vont les voir. Ce sont donc de vraies initiations à la sorcellerie. Faites bien attention à ces films sataniques joués sous le nom de films religieux. Et ces films ont envahi les marchés aujourd'hui. Il en est de même des livres de témoignages des soi-disant anciens satanistes. Presque tous ces gens que vous appelez anciens satanistes ne sont autres que de vrais satanistes. Vous les croyez anciens parce qu'ils prétendent s'être repentis et convertis. Ne vous laissez pas séduire du tout. Ils sont en majorité des loups déguisés. Ils montent des témoignages pompeux et grotesques, pour réussir à séduire le plus grand nombre. Plusieurs parmi eux n'ont même jamais fait un semblant de repentance. C'est toute une grande ruse de Satan, et un grand piège tendu aux enfants de Dieu. Même quand vous lisez les témoignages de certains, avec un peu de discernement vous comprenez immédiatement que ce sont des démons. Et croire qu'un démon s'est repenti, c'est être naïf. Ne vous laissez plus séduire, et ne tombez plus dans le piège de ces monstres. Quand vous lisez leurs témoignages, tirez en ce qui peut vous être utile, mais ne tombez pas dans le piège de les suivre. Pâteur au regard de tout ce qui précédait, l'on peut se poser la question de savoir comment vivre en vainqueur. 7.1. L'obéissance. Le seul vrai secret de la victoire dans le combat spirituel, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Tout ce que j'ai encore à expliquer sur ce sujet, se résumera en un seul mot l'obéissance. Les enfants de Dieu qui choisissent d'obéir à la parole de Dieu, et qui marchent selon la parole de Dieu, sont constamment vainqueurs dans les combats qu'ils mènent. Le Seigneur nous a tout dit dans sa parole mais nous ne prêtons pas souvent attention. Parfois nous ne comprenons pas bien ce que le Seigneur attend de nous, parfois nous ne sommes pas prêts à nous soumettre à lui, parfois nous ne voulons pas renoncer à nous-mêmes, parfois nous nous entêtons, parfois nous nous laissons séduire par des faux raisonnements. C'est pour cela que le combat spirituel est très compliqué pour nous, et c'est également pour cela que Satan est même souvent vainqueur sur nous. 7.2 La prière Pour vivre en vainqueur, chaque enfant de Dieu a besoin d'une vraie vie de prière. Quand votre vie de prière ne va pas bien, vous le ressentez. Vous n'avez même pas besoin qu'on vous le dise. Ce n'est que dans la prière que chaque enfant de Dieu exerce son combat, et une vraie vie de prière, c'est aussi une vraie vie de combat. Et ce combat, c'est celui que chaque enfant de Dieu est appelé à mener. Vous devez mener une vraie vie de prière, et veiller à ce que vos enfants et tous ceux qui sont sous votre autorité, mènent une vraie vie de prière. Vous devez toujours prier, prier partout, prier pour tout, et prier sans cesse comme le Seigneur nous l'a recommandé. 7.3 L'intercession. Chaque enfant de Dieu doit développer une vie d'intercession constante. Intercéder quand on est content, et oublier l'intercession quand les choses ne vont pas comme on le voulait, c'est un danger. Quand nous n'intercédons pas, nous sommes en position de faiblesse devant Satan. Nous devons savoir mettre à profit le don de parler en langue que le Seigneur nous a donné. Le combat spirituel doit se faire en intelligence, mais aussi en langue. Vous devez donc prier en intelligence, mais aussi beaucoup prier en langue. 7.4 Le jeûne. Le vrai enfant de Dieu doit prendre plaisir au jeûne, et jeûner chaque fois librement, et avec joie. Le jeûne fait pleinement partie de notre vie spirituelle, et on ne peut pas se passer du jeûne. Une vie chrétienne sans jeûne n'a aucun sens. Sachez que les agents de Satan pour avoir la victoire sur nous, passent beaucoup de temps dans le jeûne, et dans l'ensemble, les satanistes passent plus de temps dans le jeûne que les chrétiens. À ce niveau, je vous donnerai encore quelques autres éléments de discernement. Par ce signe, vous reconnaîtrez d'autres loups déguisés en brebis, vous rencontrez plusieurs soi-disant serviteurs de Dieu, qui par des enseignements sataniques, exhortent les enfants de Dieu à ne pas jeûner. J'en ai rencontré deux groupes. Le premier groupe tord le sens de Esaïe 58, et enseigne aux enfants de Dieu, que le jeûne aux yeux de Dieu ne veut pas dire se priver de la nourriture, mais veut plutôt dire faire du bien, et éviter de pécher. Ils ajoutent que si tu passes une journée par exemple sans mentir, c'est que tu as jeûné le mensonge ce jour-là, et que si tu passes une journée sans voler, tu auras jeûné le vol ce jour-là, et ainsi de suite. Et pendant que ces sorciers débitent de telles âneries, vous les surprenez chaque fois en train de jeûner. Ils jeûnent pour augmenter leur puissance et avoir la victoire sur le peuple de Dieu, en mentant aux enfants de Dieu que le jeûne n'est plus nécessaire. Le deuxième groupe tord le sens de la parole de Dieu, et combine à leur avantage les passages de Matthieu 9h15 et Matthieu 28, 20. Matthieu 9h15 Jésus leur répondit, Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. Matthieu 28, 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. D'un côté ils disent que Jésus a dit que quand l'époux est là, les amis de l'époux n'ont pas besoin de jeûner. Et de l'autre côté ils disent que Jésus a dit qu'il est avec nous tous les jours. Conclusion, nous ne devons pas jeûner. Voilà comment vous reconnaissez les agents de Satan. Par la ruse ils amènent les enfants de Dieu à désobéir à Dieu comme leur père Satan par la ruse avait amené Adam à désobéir à Dieu. Et quand vous désobéissez, c'est vous qui perdez, bien sûr. Vous avez compris bien aimé, ne tombez plus jamais dans les pièges de ces fils de la perdition, et ne laissez plus la gloutonnerie vous empêcher de remporter des grandes victoires pour le Seigneur. Vous devez jeûner, vous devez jeûner régulièrement, et vous devez prendre plaisir au jeûne. Vous devez être en mesure de jeûner plusieurs jours, pour la gloire du Seigneur. 7.5 Le renoncement Alors Jésus dit à ses disciples, Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive. Matthieu 16h24 L'une des clés de la victoire dans le combat spirituel, c'est le renoncement de soi. Tant que vous ne renoncez pas à vous-même, tant que vous voulez vivre pour vous-même, et tant que vous voulez vivre selon vous-même, la victoire dans le combat spirituel est presque sans espoir pour vous. Il y a un prix à payer pour toute chose importante. Chaque victoire a un prix, préparez-vous à le payer. Quand un enfant de Dieu renonce à lui-même, le combat devient très facile pour lui, parce que le Seigneur le rendra toujours vainqueur. 7.6 La foi. La foi est un élément clé dans le combat spirituel. Le combat spirituel est un combat qui nous oppose à un monde que nous ne voyons pas, et aux ennemis qui pour la plupart nous sont invisibles. Ce n'est donc que par la foi que nous pouvons bien mener ce combat. Et pour espérer être vainqueurs dans ce combat, il y a deux dangers importants à éviter, l'orgueil et la peur. Nous devons éviter de tomber dans l'orgueil de croire que Satan ne vaut rien, et que nous marchons sur lui à volonté. Ne vous y trompez pas, Satan n'est pas faible du tout. Il est fort, bien plus fort que vous ne le pensez. Les faux enseignements vous ont donné l'impression que Satan était déjà mort, ou qu'il est couché, attendant que chaque personne qui prononce le nom de Jésus, lui marche dessus. C'est faux. Si vous tenez à être victorieux dans le combat contre Satan, vous devez d'abord comprendre que Satan est plus fort que nous. Pourquoi est-ce que nous avons donc la victoire sur Satan s'il est plus fort que nous C'est parce que Jésus-Christ en nous, est plus fort que Satan. Gardez donc toujours à l'esprit que nous ne sommes pas plus forts que Satan, mais Jésus-Christ en nous est plus fort que lui. C'est notre Maître et Seigneur Jésus-Christ qui est plus fort que Satan, et c'est lui qui nous rend vainqueurs sur Satan. Ce n'est pas nous en tant que personnes qui sommes plus forts que Satan. N'oubliez jamais cela quand vous combattez, sinon l'orgueil causera votre ruine. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean 4, 4. J'ai parcouru certaines sectes pentecôtistes où les pasteurs de Satan entraînent les fidèles à s'amuser avec Satan chaque jour, en les amenant à chanter des bêtises chaque fois, en sursautant. Vous les entendez en masse crier et nous tuons Satan boum boum. Et pendant qu'ils hurlent, ils font des grands mouvements de la main comme des gens qui tiennent des fusils. Et ils sont si contents de tuer Satan boum boum. Et quand tu interroges ceux qui tuent Satan boum boum, tu te rends compte qu'ils ne sont même pas baptisés dans l'eau. Ceci veut dire que ces pasteurs agents de Satan amènent les païens à tuer Satan boum boum. Comprenez donc que c'est un théâtre que ces sorciers jouent avec Satan, pour exposer la vie des quelques enfants de Dieu qui sont encore au milieu d'eux. Déjà nous enfants de Dieu, nous ne sommes pas en mesure de tuer Satan, mais pour ces fils de la rébellion, ce sont les païens qui peuvent tuer Satan, et le tuer très facilement, juste par un mouvement de la bouche et des mains. Ce qui est marrant, c'est que chaque jour ces insensés tuent Satan, et chaque jour Satan est toujours là. Je leur dis toujours qu'heureusement pour eux Satan lui-même c'est qu'ils sont juste en train de s'amuser avec lui. S'il les prenait un seul instant au sérieux, il les détruirait. J'ai aussi trouvé d'autres ailés, qui à défaut de tuer Satan boum boum, passent plutôt leur temps à piétiner Satan, à marcher sur Satan, en frottant fortement leurs talons au sol. On leur a appris que Satan est sous leurs talons, et ils marchent sur lui. Bien aimé, l'ignorance tue. De la même manière que nous devons éviter de tomber dans l'orgueil quand nous combattons contre Satan, de cette même manière, nous devons éviter de tomber dans le piège de la peur. Si vous voulez être vainqueur dans le combat, vous devez comprendre qu'au nom de Jésus, Satan ne vaut rien. Dire que Satan est plus fort que nous ne fait pas de lui un autre Dieu. Satan n'est que vanité devant notre Dieu et sauveur Jésus-Christ. Quoique puissant aux yeux des hommes, Satan n'est qu'une créature aux yeux de Dieu. Et quand nous comptons sur Dieu pour combattre Satan, en mettant notre foi en Dieu, au nom de Jésus-Christ son Fils, nous marchons sur Satan et sur toute sa puissance. 7.7 La purification. Pour espérer la victoire dans le combat, il faut craindre Dieu et rechercher la sanctification. Et pour échapper totalement aux attaques de Satan et de son armée, il faut mener une vie sans reproche. Pour cela, vous devez d'une part, purifier vos vies en fuyant le péché, et en confessant vos péchés au fur et à mesure que vous les commettez, et d'autre part, purifier vos maisons, en retirant de vos maisons tout ce qui sert de porte ouverte à Satan. La liste de plusieurs de ces éléments vous a été donnée plus haut. Ne laissez pas les païens faire n'importe quoi dans votre maison, sous prétexte que vous ne les hébergez que pour un temps. Tous ceux qui rentrent dans votre maison doivent se soumettre aux consignes de votre maison. Par exemple, vous ne devez pas permettre aux païens de regarder la télévision dans votre maison sachant que c'est une abomination. Vous ne devez non plus laisser les ouvriers, plombiers, électriciens, etc., se permettre de fumer dans votre maison. De la même manière que vous évitez de souiller votre maison, vous ne devez pas laisser ceux qui rentrent chez vous la souiller. Maintenez votre maison pure et exempte de toute souillure. N'oubliez pas que dans l'ancienne alliance, le Seigneur était toujours en colère contre son peuple, à cause des objets dévoués par interdit. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas, comme cette chose, dévouée par interdit, tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée par interdit. Deutéronome 7h26 Parfois l'on se demande comment faire pour savoir si tel ou tel autre objet dans nos maisons peut servir de porte ouverte. La réponse est simple, faites sortir de la maison tout ce qui ne vous sert à rien, c'est-à-dire tout ce qui ne vous apporte rien ni sur le plan spirituel, ni sur le plan matériel. Si vous vous accrochez aux choses pour satisfaire la convoitise des yeux, ou l'orgueil de la vie, vous tomberez dans le piège de Satan. La Bible nous enseigne que, tout est permis, mais tout n'est pas utile, tout est permis, mais tout n'édifie pas. 1 Corinthiens 10h23. Vous ne devez garder chez vous que ce qui est utile, et ce qui édifie. Dès lors, pour garder un objet, vous devez pouvoir justifier son utilité. Par exemple, si quelqu'un vous demandait l'utilité d'une montre-bracelet, vous le lui direz, alors que si l'on vous demande l'utilité d'une bague, ou d'une chaîne, ou de tout autre bijou, vous n'aurez pas d'autre justification à donner que la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, parce que ces choses ne vous servent absolument à rien. Il y a plusieurs chrétiens qui portent des bagues qu'ils choisissent d'appeler alliance. Quand on leur demande, d'où vient cette alliance Alliance par rapport à quoi Et qui a prescrit cette alliance Ils sont incapables de répondre. Ceci montre jusqu'à quel point les enfants de Dieu ont perdu la tête. Au lieu d'être la lumière du monde comme le Seigneur l'a dit, ils choisissent plutôt de faire du monde leur lumière. Ils copient le monde sans même réfléchir, sans se poser la moindre question. Chaque fois que les chrétiens doivent se marier, ils copient le monde comme s'ils copiaient la Bible. Chaque fois qu'ils doivent faire quelque chose, ils se conforment au modèle du monde. Le monde est devenu leur meilleur modèle. Pour eux, la Bible est déjà dépassée, elle est obsolète. Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Jérémie 10, 2-3. On rencontre beaucoup de chrétiens aujourd'hui avec des statues et des statuettes dans leur maison. Dès qu'on leur demande ce qu'ils en font, ils disent que c'est pour orner la maison, comme si les démons étaient devenus des ornements. Et dès qu'on tente de leur dire que ce sont des démons qu'ils gardent dans la maison, certains disent qu'on voit les démons partout. Si vous voulez orner vos maisons, en tant que des enfants de Dieu, vous n'avez besoin ni de statues, ni de fleurs artificielles, ni de peintures et autres tableaux mondains, vous avez besoin de la parole de Dieu. Si vous désirez vivre en vainqueur, ne laissez dans votre maison aucun objet qui soit une porte ouverte à Satan. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains, et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants, et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Deutéronome 11, 18-20. Il y a aussi plusieurs qui gardent des photos de mort à la maison, et même souvent des photos de cadavres et de cercueils, parfois les vidéos de deuil, avec les images des cadavres. Quand on leur demande ce qu'ils en font, ils disent que ce sont des souvenirs. Avec cela, ils ne sont pas différents des catholiques, ou des autres païens, qui chaque fois se rendent dans les cimetières pour y pleurer, ou pour se recueillir, comme ils le disent. Pour vivre en vainqueur, vous devez comprendre la notion de la vanité du monde et des choses du monde. Sachez que le monde passe, avec toute sa vanité. Je vous conseille de lire et étudier avec moi le livre d'Ecclésiaste. Lorsque vous louez ou achetez une maison, priez et couvrez chaque pièce de la maison par le sang de Jésus. Les satanistes font de terribles incantations sur les murs ou au sol ou à n'importe quel autre endroit des maisons qu'ils ont habité. Si vous arrivez après eux et que vous rentrez et occupez les lieux sans détruire les incantations qui y ont été faites, vous en souffrirez très certainement. Il y va de même si vous achetez une voiture ou n'importe quel autre bien mobilier ou immobilier. À ce propos, je vais vous donner deux petits témoignages que le Seigneur nous a accordé la grâce de vivre. Le premier concerne le cas d'une famille chrétienne qui avait eu une nouvelle maison. Cette famille avait déménagé de l'ancienne maison vers la nouvelle avec une grande joie, parce que la nouvelle maison était plus grande que l'ancienne, et aussi plus propre. Une fois dans la nouvelle maison, cette famille rencontrait beaucoup de difficultés inhabituelles, et des problèmes qu'elle n'arrivait pas à s'expliquer. La famille ne s'entendait plus, la femme et le mari se disputaient, le comportement des enfants devenait irritant. Ils essayaient de prier et de combattre autant qu'ils le pouvaient, mais avec trop peu de succès. Ils ont vécu cet enfer pendant plusieurs années. Un jour, sans trop savoir pourquoi, ils ont eu l'idée de redécorer la maison. Les murs étaient couverts de papier peint. Au lieu de remettre la peinture sur le papier peint comme on le fait souvent, ils ont préféré enlever le papier peint du mur. C'est là qu'ils ont découvert l'inattendu. Les murs de la maison étaient gravés de grandes incantations, des graffitis et autres images sataniques. Ils étaient tous stupéfaits. Puisqu'ils savaient que dans mes enseignements je mettais l'accent sur le combat spirituel, ils m'ont appelé et m'ont dit: "Viens voir la preuve de l'enseignement que tu donnes au peuple de Dieu chaque fois." Je m'y suis rendu et ce que j'ai vu m'a choqué. Bien que je passais mon temps à enseigner le combat spirituel, je ne m'étais jamais imaginé voir ce que j'ai vu ce jour-là. Les satanistes qui occupaient cette maison avaient pris soin avant de déménager, de faire des incantations sur les murs, et de recouvrir soigneusement les murs avec un bon papier peint. Ensuite, ils avaient mis de la peinture sur le papier peint, faisant ainsi de la maison une maison bien décorée, et bien présentable. La maison était si présentable que personne ne pouvait avoir besoin de vouloir la repeindre. Et même si l'on choisissait de repeindre cette maison par simple désir de changer de couleur de peinture, rien ne pouvait pousser quelqu'un à enlever carrément le beau papier peint du mur. C'était donc un piège qui était supposé rester jusqu'à la destruction de cette maison. C'est donc par la grâce de Dieu que ce montage satanique a été découvert. Nous avons alors mené un combat spirituel sérieux dans ce lieu, on a détruit toutes les incantations, et tous les pactes qu'il y ait cette maison au monde des ténèbres. Ensuite, on a prié pour cette famille. Ils ont repeint la maison pour faire disparaître toute trace de ces incantations, et ils ont redécoré totalement la maison. Après cela, ils ont retrouvé la paix et la vie normale après plusieurs années d'un calvaire non mérité. Ceci vous permet de comprendre que les sources de certains problèmes que vous avez, sont tellement cachées qu'il ne faut que la grâce de Dieu pour les découvrir. Le second témoignage concerne le cas d'une sorcière que nous avons connue dans le passé. Cette sorcière était venue à nous soi-disant pour donner sa vie à Christ. Elle s'était faite héberger par une sœur de l'Assemblée. Le Seigneur nous a révélé qu'elle était une sataniste en mission dans l'Église, et qu'elle n'avait aucune intention de faire une vraie repentance, et nous l'avons chassée. Elle est allée se faire loger dans un foyer dans lequel le gouvernement hébergeait temporairement des femmes sans abri. Il se trouve que l'une des responsables de ce foyer était une sœur en Christ qui nous connaissait. Lorsque cette sorcière est arrivée dans ce foyer, la sœur m'a informée, et je l'ai mise en garde contre le piège que cette sorcière constituait. Elle avait alors pris des dispositions pour que cette sorcière soit S. 7.8 La séparation. Si tu veux t'épanouir dans ta vie spirituelle, il est impératif que tu te sépares de tous ceux qui sont un frein pour toi, et de tous ceux qui constituent une occasion de chute pour toi. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Luc 11h23. L'enseignement sur la séparation que nous trouvons toujours très difficile à accepter, est l'une des clés de la victoire dans le combat que Satan livre contre nous chaque jour. Se séparer des incirconcis, des rebelles à la parole de Dieu, de ceux qui combattent la vérité, des séducteurs, et autres ennemis de Dieu, c'est tout simplement obéir à Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons pour devoir d'aimer les choses que Dieu aime, et de détester celles que Dieu déteste. Nous avons pour obligation de voir les choses comme Dieu les voit, et d'apprécier les choses comme Dieu les apprécie. Nous devons accepter ce que Dieu dit, même si nous ne sommes pas contents. Nous devons comprendre les choses selon Dieu, et nos mots doivent être définis selon le dictionnaire de Dieu et non selon celui du monde. Retenez donc que l'amour selon Dieu n'a rien à voir avec l'amour selon le monde, que la famille selon Dieu est différente de la famille selon le monde, et l'amitié selon Dieu, éloignée de l'amitié selon le monde. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, on aura pour ennemi les membres de sa propre famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi, celui qui ne prend pas sa croix, et ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Celui qui cherche à sauver sa vie la perdra, et celui qui l'aura perdue à cause de moi la retrouvera. Matthieu 10, 34-39 Comprenez très bien que nous ne devons jamais parler d'amour en dehors de Dieu, c'est-à-dire de Jésus-Christ. Les amis de Dieu sont nos amis, et les ennemis de Dieu, nos ennemis. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent, et de ceux qui gardent tes ordonnances. Psaume 119, 63. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Je l'ai et d'une parfaite haine, ils sont pour moi des ennemis. Psaume 139, 21-22. Mais Jésus leur répondit, Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, et qui la mettent en pratique. Luc 8h21. Notre famille est donc constituée de tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus d'un amour inaltérable, et nos amis sont ceux qui ont choisi la vérité, qui aiment la vérité, et qui vivent dans la vérité. Sachez que tous ceux qui ne sont pas dans le camp de Jésus-Christ constituent une porte ouverte pour nous, et Satan peut se servir d'eux à tout moment pour nous atteindre. De ce nombre vous avez les païens, les sorciers, les traîtres, les chrétiens hypocrites, tous ceux qui refusent la vérité, ceux qui rejettent le Seigneur, et ceux qui combattent la vérité. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix, et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Luc 14, 26-27. Nous devons nous séparer de toutes ces catégories de personnes, et nos relations avec ces gens doivent être limitées aux simples relations normales, c'est-à-dire aux relations liant quelqu'un avec les gens vivant dans le même monde. N'oubliez pas que vous êtes dans le monde, sans être du monde. Chaque fois que cet enseignement est donné, il y a des endurcis qui disent qu'ils sont avec les païens, ou dans des réunions mondaines chaque jour, parce qu'ils veulent évangéliser les païens. C'est de la pure séduction, bien aimé. Vous n'avez pas besoin de plusieurs années pour évangéliser la même personne ou les mêmes personnes. Vous pouvez par moments assister les païens, ou participer à certaines des choses qu'ils font, aussi longtemps qu'en le faisant vous ne vous compromettez pas devant Dieu. Il peut s'agir des camarades de classe, des collègues de service, ou des voisins de quartier. Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Jacques 1h22. Évitez les communications avec les sorciers et les gens qui se rebellent volontairement contre Dieu. Quand les gens se rebellent volontairement contre Dieu, ils deviennent des instruments très puissants entre les mains de Satan. Sachez donc que ceux qui combattent la vérité sont extrêmement dangereux. Revenons un peu sur la notion d'autorité, pour voir comment cette autorité est perçue dans le monde spirituel. Dieu connaît les lois spirituelles, et Satan aussi les connaît. Dieu sait quand l'on est responsable, et Satan aussi le sait. Chaque fois que vous avez l'autorité pour agir dans une situation donnée, Dieu vous tient pour responsable si vous n'agissez pas. Et Satan sait cela. Dans le jardin d'Éden, c'est qui avait péché, pourtant Adam n'avait pas échappé. Pourquoi? parce qu'il était en position d'autorité, et avait la responsabilité de veiller sur Eve. Dans une maison, l'homme est en position d'autorité, et la responsabilité lui revient de mettre la maison en ordre pour fermer les portes à Satan. Et quand cela n'est pas fait, c'est lui que Dieu tient pour responsable. Ceci veut dire que, chaque fois qu'il y a des portes ouvertes à Satan dans une maison, c'est celui qui a l'autorité que Dieu tient pour responsable. Une femme mariée n'est donc pas tenue pour responsable devant Dieu quand le mari refuse de purifier la maison, à moins qu'elle n'ait ce pouvoir de le faire sans représailles de la part du mari. Il en est de même des enfants qui sont encore mineurs, et ceux qui vivent encore sous les toits des parents. Ils ne sont pas tenus pour responsables devant Dieu quand les parents refusent de purifier la maison, à moins qu'ils n'aient ce pouvoir de le faire sans représailles de la part des parents. Une femme qui n'est pas sous la couverture d'un homme, est responsable de sa maison, et les enfants qui ne sont plus sous la couverture des parents, deviennent responsables de toute porte ouverte dans leur maison. 7.9 La discrétion La discrétion est un élément très important dans le combat spirituel. Sachez que plus Satan et ses gens ont des informations sur nous, plus facile est pour eux le combat contre nous. Plus ils connaissent nos plans, et moins efficaces nous sommes contre eux. Lisons ces quelques exemples des soldats du Seigneur qui avaient compris l'importance de la discrétion dans le combat. Vous pouvez aussi méditer les passages suivants, Josué 2h1, 14, Josué 8, 3-4, et 1 Samuel 14h1, 11, 22. Gédéon prit dix hommes parmi ses serviteurs, et fit ce que l'Éternel avait dit, mais, comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit, et non de jour. Juge 6h27. J'arrivai à Jérusalem, et j'y passai trois jours. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Les chefs de la ville ignoraient où j'étais allé et ce que j'avais fait. Jusque-là, je n'avais informé ni les juifs, ni les prêtres, ni les notables, ni les chefs, ni les autres responsables qui s'occupaient des travaux. Némi 2, 11-16. Pour réussir certains types d'incantations contre nous, les agents de Satan ont absolument besoin des informations nous concernant. C'est pour cette raison que la recherche d'informations est capitale pour eux. Je profite à ce niveau pour vous donner un autre élément de discernement. Vous reconnaîtrez beaucoup d'agents de Satan au milieu de vous, par un esprit de curiosité très poussé. Dès que vous rencontrez des soi-disant frères et sœurs animés d'une curiosité au-dessus de la normale, retenez que ce sont des agents de Satan. Les vrais enfants de Dieu ne recherchent que des informations qui leur serviront à quelque chose, et ils évitent de mettre leur nez dans ce qui ne les concerne pas. Ne soyez donc pas étonnés que les agents de Satan soient constamment en train de nous espionner. Ils ont fortement besoin d'informations nous concernant, pour réussir certaines de leurs incantations. Veillez donc à partir de maintenant à ne plus céder face à la séduction et à la ruse de ces instruments de Satan qui sont encore parmi vous, et qui exploitent chaque occasion pour soutirer quelques informations vous concernant, même celles qui normalement ne leur serviront jamais à rien. Retenez aussi que vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions que les gens vous posent, à moins que vous ne soyez en face de personnes qui vous posent des questions sensées, dans le but de vous aider. Nous voyons ici l'exemple de Jésus face aux Sadducéens, Jésus se rendit dans le temple, et, pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire, Par quelle autorité fais-tu ces choses, et qui t'a donné cette autorité Et il leur dit à son tour, Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Matthieu 21, 23-27. Apprenez à dire non quand cela est nécessaire, et apprenez à résister à la ruse des sorciers, qui par des douces manières de séduction et des paroles trompeuses vous amènent à leur donner toutes les informations qu'ils recherchent sur vous, afin de vous nuire. Et ces agents de Satan aiment toujours être au centre de toutes les informations, et par leur séduction, ils savent amener les gens à se confier à eux. Ils vous donnent l'impression de vouloir vous aider, ils laissent même vos dirigeants de côté, et font comme s'ils étaient plus à votre écoute que ceux qui vous dirigent. Ils veulent tout connaître sur vous pour mieux réussir leurs incantations. Soyez plus vigilants maintenant, et vous les attraperez. 7.10 La vigilance. Nous devons mener une vie de vigilance, en faisant attention à tout, selon les conseils du Seigneur. Nous devons, comme Job, veiller sur nous-mêmes, sur nos enfants, sur notre maison, et sur tout ce qui est à nous. Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu, et se détournait du mal. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs trois sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils, puis ils se levaient de bon matin et offraient pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait Peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Job 1 heure 1 4 à 5. Pour ce qui est des enfants, leur donner l'éducation qui est selon le Seigneur, et non selon le monde. Ne surtout pas tomber dans le piège des lois sataniques qui disent que les parents n'ont plus le droit de corriger les enfants. Vous devez corriger les enfants chaque fois que cela est nécessaire, pour les amener à la raison, et pour sauver leurs âmes du séjour des morts. N'épargne pas la correction à l'enfant, si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Proverbe 23, 13-14. Celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. Proverbe 13h24. Vous devez les mettre à l'abri de toutes les distractions et abominations de ce monde, les mettre aussi à l'abri de la télévision et des jeux vidéo, qui sont des vrais instruments entre les mains de Satan aujourd'hui, pour initier les enfants. Je ne me fatiguerai jamais de vous dire que la télévision est purement satanique, et est destructive pas seulement pour vos enfants, mais aussi pour vous. Vos enfants doivent savoir qu'ils n'ont pas le droit de prendre des choses des mains des gens et les mettre dans la bouche. Ils doivent savoir qu'il faut toujours tout sanctifier avant de manger. Ils doivent aussi bien que vous, comprendre cet enseignement sur les ruses et les œuvres de Satan, afin de vous aider dans le combat. Vous devez discipliner les enfants de manière à ce qu'ils apprennent à ne pas manger à contre-temps, à ne pas manger en désordre, et à ne pas manger dehors. Amenez-les à fuir toutes les petites friandises que les agents de Satan utilisent pour initier les enfants, telles que les bonbons, les biscuits, les petits gâteaux, les chocolats, etc. Habituez-les à fuir ces choses complètement recommandez aux enfants de ne rien prendre des gens, ni en route, ni à l'école. Veillez à ce que vos enfants aient tous leurs outils de classe tels que les crayons, les pointes à billes, etc. pour ne pas se retrouver en train de demander ces choses à leurs camarades de classe. Les écoles sont remplies de petits sorciers malheureusement, qui exploitent chaque petite occasion pour initier les autres enfants. Faites donc très attention. Quand vous devez acheter quelque chose, veillez aux étiquettes, aux motifs, aux images, aux dessins, aux écrits ou un signe qui sont dessus. Plusieurs produits que vous achetez annoncent déjà leur propre malédiction, et vous ne devez pas acheter ces produits sous prétexte que vous allez les purifier. Il en est de même des choses que l'on vous offre. Par exemple, vous trouvez soit des vêtements, soit des produits, soit des parfums ou des déodorants sur lesquels l'on a écrit possession, séduction, obsession, rébellion, révolte, bois, je suis disponible, jalousie, vengeance, sexy, etc., la liste est longue. Ils choisissent de vous annoncer le type de malédiction que vous achetez, et le type de démon qui vous possédera. Il faut être insensé pour acheter ces produits dans le but de les purifier. Plusieurs femmes, y compris des petites filles, sont devenues des prostituées sans le vouloir, à cause des incantations portées sur les différents sous-vêtements qu'elles achètent ou reçoivent en présent. Quand vous voyez donc ces femmes qui se prostituent, ne les condamnez pas sans chercher à comprendre ce qui leur arrive. Très souvent elles sont sous le coup de terribles incantations. Beaucoup de sectes sataniques comme la secte de la Rose-Croix offrent à leurs adeptes la puissance satanique leur permettant de faire des incantations sur les femmes et les avoir à volonté. Il n'y a pas que les femmes qui sont à la merci de Satan de cette manière, c'est le monde entier qui est ainsi exposé. C'est pour cela que la Bible nous dit dans un Jean 5h19 que le monde entier est sous la puissance du malin. Vous comprenez alors que le combat est vraiment rude. Non seulement nous devons combattre pour nous-mêmes, nous devons aussi combattre pour libérer ces innocents qui sont chaque jour la proie de Satan et de ses agents. Vous devez associer à la vigilance la fermeté, la rigueur et la discipline. Un seul grain de compromission coûte cher, très cher. 7.11 La prudence. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents, et simples comme des colombes. Matthieu 10h16. La prudence fait partie des recommandations que le Seigneur nous a données. Plus vous comprenez le combat spirituel, plus vous comprendrez que Dieu ne nous a donné aucune recommandation pour rien. Le monde spirituel est un monde particulier, et les lois spirituelles assez complexes. Le seul vrai secret pour nous, pour être à l'abri de tout, et nous sentir en sécurité, c'est l'obéissance à Dieu. En observant la parole de Dieu telle qu'il nous l'a donnée, nous échappons à tous les pièges de l'ennemi. 8. Comment combattre en vainqueur Pour combattre en vainqueur, vous devez observer tous les principes de combat tels que nous les avons étudiés, en faisant de la recherche de la sanctification, votre vie. Le combat que chaque vrai enfant de Dieu doit mener consiste à neutraliser les différents démons qui sont en opération dans le monde, dans le but d'échapper à leurs attaques, et aussi de protéger toutes les autres personnes qui, comme nous, sont la cible de l'armée de Satan. 8.1. Détruire les sources de force et de puissance des agents de Satan. Les satanistes pour être forts et puissants ont besoin de manger de la chair humaine et boire du sang humain, ou à défaut, ceux des animaux. C'est pour cela qu'ils font des incantations pour causer de nombreux accidents, et de nombreux crimes, dans le but de collecter le sang et la chair. Et puis ils mangent de la chair et boivent du sang, puis ils sont forts spirituellement. Ils ont à cet effet dans leur monde, des grandes réserves de chair humaine et des banques de sang, qu'ils ravitaillent chaque fois. Pour rendre ces satanistes moins actifs, nous devons nous attaquer à leurs sources de force et de puissance, ensuite les frapper par le feu de Dieu partout où nous le pouvons, et aussi régulièrement que nous le pouvons. Nous devons détruire le sang qu'ils ont en réserve dans leur banque de sang, la chair humaine et les poudres humaines en stock, et toutes autres réserves qu'ils pourraient avoir. Les satanistes pour nous combattre se servent de plusieurs instruments tels que les écrans, les caméras, les satellites, les radars, les miroirs sataniques, les antennes et autres appareils de communication. Vous devez chaque fois détruire cet arsenal de guerre. Sachez que quand vous les détruisez, ils les reconstruisent. Ne croyez donc pas qu'en détruisant une fois tout est fait. Tant que Satan existera, il s'équipera pour combattre le peuple de Dieu. Ne vous fatiguez donc pas dans ce combat. C'est un combat qui durera le temps que le peuple de Dieu sera sur la terre, et le temps que Satan sera en liberté. 8.2 Dispersez les réunions des agents de Satan. Un autre élément de combat pour nous, serait de disperser chaque fois leurs réunions, puisque c'est au cours de ces différentes réunions qu'ils s'organisent pour nous attaquer. Nous devons envoyer le feu de Dieu dans leurs différents lieux de rencontre qui sont, les cimetières, les mers, les océans, les fleuves, les rivières et les différents cours d'eau, les forêts, les airs, les parcs, les montagnes, les vallées, les boîtes de nuit, les hôpitaux, les arbres, les maisons abandonnées, les temples catholiques, les temples bouddhistes, les autres temples religieux, les temples des sectes, les jardins publics, les routes, les rails, les parcs d'attractions, les musées. Les pubs, les supermarchés, les mosquées, les stades, les écoles, les tunnels et les ponts, les lieux d'attraction, etc. Il y a certains lieux qui sont restés longtemps insoupçonnés, donnant l'apparence de lieux de paix et de sécurité. Il s'agit des temples et des bâtiments de certaines sectes pentecôtistes que l'on appelle églises réveillées. Avec tous les différents témoignages que vous avez reçus, vous savez maintenant que ces grands sorciers que vous appelez par ignorance grands hommes de Dieu font des pactes avec le monde satanique pour être populaires et pour devenir grands aux yeux du monde. Satan leur donne alors de nombreuses incantations à enterrer dans la salle de l'église, ou même sur le lieu où le bâtiment sera construit, pour posséder les fidèles. Les lieux où sont construits ces grands bâtiments des églises dites réveillées subissent autant d'incantations et de pactes sataniques que les temples catholiques. Ces lieux sont donc aussi abominables et aussi dangereux que les autres lieux sataniques que nous avons cités comme lieux à ne pas fréquenter. Vous devez également frapper constamment ces lieux par le feu de Dieu, détruire toute la puissance de ténèbres qui y est enterrée, et libérer tous les ignorants fidèles qui sont victimes des pactes signés par leurs pasteurs sorciers avec Satan. 8.3 aux différentes actions à mener. Semer la confusion au milieu des troupes de Satan. Priez chaque fois pour semer la confusion dans leurs camps et dans leurs armées. Priez pour que les méchants tombent même dans les pièges qu'ils nous ont tendus. Retournez sur les agents de Satan toutes les flèches qu'ils ont dirigées sur nous. Envoyez le feu de Dieu à la rencontre de tous les démons envoyés contre nous. Envoyez le feu de Dieu dans les laboratoires et dans les temples de Satan. Détruire les aéroports de Satan et leurs routes sous la mer. Sécher tout le sang qu'ils ont dans leurs banques de sang. Détruire toutes les chairs humaines et les poudres de chair humaine qu'ils ont en stock. Envoyez le feu de Dieu frapper les démons d'accident. Et détruire leurs incantations sur les routes. Envoyez le feu de Dieu frapper les agents de Satan qui sont constamment en train de jeûner et prier pour que les hommes de Dieu tombent. Envoyez le feu de Dieu détruire les installations et les équipements de Satan que nous avons cités. Frappez par le feu de Dieu les différents démons qui contrôlent les différentes nations. Frappez par le feu de Dieu les agents de Satan qui jeûnent et prient contre les chrétiens. Anéantir tous leurs projets contre nous. En plus des grands laboratoires de Satan, chaque sataniste a un laboratoire personnel dans lequel il fait ses pratiques. Et dans ces laboratoires, ils ont toujours une réserve de sang et de chair humaine. Détruire tous ces laboratoires, avec leur contenu. Envoyer régulièrement le feu de Dieu vers les sorciers et les marabouts des lieux dans lesquels vous habitez, et vers les autres lieux, selon que vous êtes conduits par le Saint-Esprit. Et pour ceux qui se transforment en animaux et en objets, anéantir leur pouvoir de transformation, et les frapper par le feu de Dieu. Détruire les nouvelles formes qu'ils prennent. Pour ceux qui sortent de leur corps, les anéantir et les frapper par le feu de Dieu. Détruire les corps qu'ils revêtent pour faire leurs opérations. Frapper les démons qui tiennent les différents lieux captifs, et détruire leurs empires sur ces lieux. Quand vous avez des attaques, il faut toujours détruire les démons qui sont derrière ces attaques. Détruire chaque fois nos informations que Satan et ses agents détiennent dans leur monde. Satan et ses démons font souvent l'effort de bloquer nos bénédictions, et les exaucements de nos prières. Il faut débloquer ces bénédictions au nom de Jésus-Christ, et envoyer le feu de Dieu consumer les mains qui retiennent ces bénédictions. Libérez les exaucements des prières qu'ils retiennent, au nom de Jésus-Christ, et envoyez le feu de Dieu frapper les démons qui les retiennent. Envoyez le feu de Dieu détruire tous leurs projets, et les projets qu'ils sont en train de planifier. Vous devez purifier les toilettes et les téléphones publics avant de les utiliser, les sièges publics avant de vous y asseoir, en un mot, priez sans cesse, purifiez tout, et couvrez tout par le sang de Jésus. Pour les étudiants qui partagent souvent des chambres et ont des douches et des toilettes communes, vous devez faire très attention. Faites attention à toutes les toilettes et douches communes. Ne les utilisez jamais sans les purifier. Ce sont les endroits que les satanistes exploitent chaque fois pour faire des incantations contre vous. Et sachez que parmi les élèves et les étudiants, il y a beaucoup de grands sorciers que vous ignorez. Quand vous faites les achats, et que l'on vous rende la monnaie, vous devez couvrir cet argent par le sang de Jésus, et même les retraits que vous faites, doivent être couverts. Couvrez toutes vos transactions par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Priez constamment pour couvrir toutes les nourritures qui sont sur les différents marchés par le sang de Jésus. Et quand vous entrez dans une boutique, un supermarché ou un marché, vous devez couvrir tous les aliments qui y sont, et briser toutes les incantations qui y ont été faites. En faisant ceci, vous sauvez des milliers d'innocents qui devaient manger ces incantations et en être affectés. Vous devez couvrir tous vos déplacements, toutes vos choses et toutes vos activités par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Quand vous devez vous déplacer en voiture, ou par n'importe quel autre moyen de transport, envoyez le feu de Dieu détruire tous les démons qui vous attendent sur le chemin, envoyez chaque fois le feu de Dieu sur toutes les routes que vous allez prendre, et couvrez toutes ces routes par le sang de Jésus. Évitez les autostops, surtout quand vous êtes seul. Vous voyez très souvent l'image de l'œil partout maintenant, soit sur des posters, soit sur des affiches en route, soit sur des habits, etc. Ces yeux ne sont pas juste des images comme vous le pensez. Ce sont des yeux réels, des vrais yeux spirituels qui vous observent. Vous ne devez pas acheter les produits avec de telles images dessus. Et pour ces yeux que vous voyez sur les posters et les affiches, vous devez les frapper par le feu de Dieu. Il en est de même des images des oreilles, des autres images des signes sataniques, et des affiches pornographiques et autres affiches abominables que vous trouvez partout. Vous devez annuler toutes les incantations qui sont derrière ces choses. Frappez constamment par le feu de Dieu les yeux sataniques qui sont braqués sur vous, et les oreilles sataniques qui écoutent vos conversations. Consumez-les par le feu de Dieu. Envoyez aussi chaque fois le feu de Dieu détruire les caméras sataniques qui sont braquées sur nous, et les écrans avec lesquels il surveille nos vies. Les nombreux graffitis et tags que vous voyez partout maintenant, sont également de grandes incantations de Satan qu'il faut détruire totalement par le feu de Dieu. Bien aimés, devenez des combattants. Couvrez constamment vos routes par le sang de Jésus. Pour les routes reconnues comme meurtrières chez vous, et ailleurs, sachez que vous avez le pouvoir de mettre fin à cette campagne satanique de collecte de sang. Il faut juste frapper régulièrement tous les démons d'accidents envoyés sur ces routes. De la même manière que vous pouvez anéantir les accidents sur les routes, vous pouvez aussi libérer beaucoup d'innocents des autres souffrances, en frappant les différents démons qui s'occupent de ces fléaux. Il y a des fléaux tels que la sorcellerie, la prostitution, le divorce, le suicide, les adultères, la débauche, les vols, les viols, les meurtres, la corruption, l'homosexualité, etc. Envoyez régulièrement le feu de Dieu détruire les démons responsables de ces fléaux. Il y a également les sectes telles que la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, et Cancar, et les autres sectes sataniques, qui tiennent les gouvernements des nations captifs. Envoyez régulièrement le feu de Dieu détruire les démons responsables de ces sectes, et détruisez leur empire sur vos gouvernements. 8.4 Comment prier quand vous voulez donner des ordres que le monde spirituel doit exécuter, c'est en intelligence qu'il faut prier, puisqu'il faut bien que vous compreniez ce que vous demandez. Pour cela, une partie du combat doit se faire en intelligence. Quand vous voulez réellement combattre, évitez de prier assis, et évitez de prier à genoux. Satan vous prend rapidement dans le piège du sommeil dans les positions assises ou à genoux. Vous devez combattre debout. Les veillées de prière et de louange sont de très bons outils de combat. Chaque fois les frères me demandent de leur dire comment faire tel ou tel type de prière. Je me trouve toujours dans l'embarras quant à la réponse à donner, parce que je trouve mieux d'encourager les enfants de Dieu à souvent formuler leurs propres prières, que de leur donner des prières toutes faites à répéter. L'inconvénient de réciter une prière, est que quand on oublie un mot, on ne sait plus quoi dire. J'essayerai néanmoins à titre d'exemple, de formuler quelques prières, qui pourront vous donner une indication, ou quelques directives sur comment prier. Mais ne vous limitez pas à ces quelques prières, ou aux mots que j'ai utilisés. Vous devez à base de ces exemples, formuler vos propres prières selon les cas devant lesquels vous vous retrouvez. 8.5. Quelques exemples de prières pour le combat. Vous tous démons d'accidents envoyés sur les routes, je vous frappe par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ, et je détruis toutes les incantations que vous avez faites sur les routes par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Toutes les flèches et les incantations que vous avez dirigées contre nous, je les retourne sur vous au nom de Jésus. J'ordonne que vos propres flèches vous transpercent et vous détruisent au nom de Jésus. Vous tous démons et autres agents de Satan, j'annule vos paroles et vos incantations contre nous au nom de Jésus-Christ. Je détruis tous vos projets contre moi par le feu de Dieu au nom de Jésus. Je sèche tout le sang que vous avez dans vos banques de sang par le sang de Jésus-Christ, je détruis par le feu de Dieu la chair humaine et les poudres humaines que vous avez en stock, au nom de Jésus. Je détruis tous vos écrans et tous vos satellites ainsi que tous les miroirs sataniques que vous utilisez par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Vous démons qui retenez mes bénédictions, je vous frappe par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ et je libère toutes mes bénédictions au nom de Jésus-Christ. Vous démons qui bloquez l'exaucement de mes prières, j'envoie le feu de Dieu vous paralyser au nom de Jésus-Christ et je libère l'exaucement de mes prières au nom de Jésus-Christ. Vous démons de la franc-maçonnerie, je vous frappe par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Vous tous agents de Satan qui jeûnez contre nous, je vous frappe par le feu de Dieu au nom de Jésus. Je détruis toutes mes informations que vous détenez dans votre monde par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ, et j'annule toutes les incantations que vous avez faites contre moi à travers ces informations au nom de Jésus-Christ. Tous mes objets, cheveux, ongles, vêtements et autres que vous détenez. J'envoie le feu de Dieu dans tous les cimetières frapper les démons qui y opèrent, et je détruis toutes les activités qui y sont faites, au nom de Jésus-Christ. Vous tous sorciers de ce quartier, je détruis toute votre puissance par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ, et je détruis tous vos laboratoires et vos œuvres au nom de Jésus-Christ. Je libère toutes les personnes que vous tenez captives au nom de Jésus-Christ. J'envoie le feu de Dieu disperser vos réunions au nom de Jésus-Christ, et je sème la confusion au milieu de vous au nom de Jésus-Christ. Que tous les démons envoyés contre nous s'opposent les uns contre les autres et se détruisent entre eux, au nom de Jésus-Christ. Semer la confusion dans le camp de Satan est une arme très puissante pour nous. Quand le Seigneur sème la confusion au milieu d'eux, ils se détruisent entre eux pendant que nous nous reposons. En voici quelques exemples de la Bible, Jules 7h22, 1 Samuel 14h20, 2 Chroniques 20h23. Les 300 hommes sonnèrent encore de la trompette, et, dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Jules 7h22. Puis Saul et tout le peuple qui était avec lui se rassemblèrent, et ils s'avancèrent jusqu'au lieu du combat, et voici, les Philistins tournèrent l'épée les uns contre les autres, et la confusion était extrême. 1 Samuel 14h20. Les fils d'Amon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer, et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. 2 Chroniques 20h23. 8.6 Avant de dormir. Envoyez le feu de Dieu dans les cours d'eau, les mers, les arbres, les airs, les forêts, les hôpitaux, les cimetières. Les parcs, les stades, les boîtes de nuit, les bars, les autres endroits où ces démons se réunissent la nuit pour planifier les attaques contre nous. Anéantir le pouvoir de transformation de ceux qui sortent de leur corps pour opérer. Entourez votre maison par le sang de Jésus Christ ou le feu de Dieu, et ordonnez aux démons de ne pas s'en approcher. Ordonnez que les démons qui tenteront de violer les barrières que vous avez placées soient consumés par le feu de Dieu. Commandez un doux sommeil. 8.7 Les mises en garde. Comme je l'ai déjà dit, le premier élément qu'il faut pour le combat spirituel, c'est la vérité. Ne vous lancez pas dans le combat, si vous ne voulez pas vivre dans la vérité. Ce serait bien risqué pour vous. Sachez que plus vous combattez, plus Satan vous combat. Si vous voulez donc vous engager dans le combat spirituel, préparez-vous à vivre une vie de sanctification, en veillant à ne pas ouvrir les portes à Satan. Et chaque fois que vous ouvrez une porte, fermez-la sans perdre de temps. Gardez aussi à l'esprit que Satan passera tout son temps à vous guetter, pour se venger sur vous, et s'il trouve la moindre faille, il l'exploitera. C'est une bonne chose pour nous d'être conscients du fait que Satan nous guette. Cela nous donne plus d'engagement dans la recherche de la sanctification. 9. Comment fermer les portes Toutes les portes ouvertes à Satan ne se ferment que par la repentance et la prière. S'il s'agit des péchés, vous les confessez, et vous y renoncez. Ensuite, vous priez pour prendre autorité sur tous les démons qui ont exploité ces portes qui ont été ouvertes. Vous chassez tous ceux qui ont pu s'installer en vous, vous frappez par le feu de Dieu tous ceux qui ont pu avoir un contrôle sur votre vie, et vous fermez ces portes que vous aviez ouvertes, par le sang de Jésus Christ. Pour bien faire ce travail, référez-vous à l'enseignement intitulé la délivrance personnelle, que vous trouverez sur le site www.macreveil.org. S'il s'agit des personnes ou des animaux, vous vous en séparez le plus rapidement possible. S'il s'agit des objets, vous vous en débarrassez au plus vite. S'il s'agit de vos propres objets, vous les jetez. S'il s'agit des objets empruntés, vous les retournez. S'il s'agit des objets volés, référez-vous à l'enseignement intitulé La restitution, que vous trouverez sur le site www.macreveille.org. S'il s'agit des choses que vous avez données aux gens, soit vous les récupérez si vous pouvez les récupérer, soit vous priez pour briser ces liens si vous ne pouvez plus les récupérer. S'il s'agit des paroles ou des malédictions, vous les annulez au nom de Jésus-Christ. S'il s'agit de vos objets que les satanistes détiennent dans leur monde, vous priez pour couvrir ces objets par le sang de Jésus, et vous les consumez par le feu de Dieu. S'il s'agit des dettes que vous avez, demandez pardon à Dieu et cherchez à les rembourser si vous pouvez le faire, et annulez les liens tissés. Dans tous les cas, dès que vous finissez, vous priez pour prendre autorité sur tous les démons qui ont exploité ces portes qui ont été ouvertes. Vous les frappez, et vous fermez définitivement ces portes par le sang de Jésus-Christ. Il y a un très grand avantage à fermer toutes les portes qui sont ouvertes à Satan dans nos vies. Quand nous avons veillé à fermer toutes les portes, et quand nous faisons l'effort de vivre sans porte ouverte, non seulement nous nous approchons du salut avec assurance, mais aussi nous sommes sans crainte quand un malheur vient à nous frapper. Nous échappons totalement au péché de culpabilité, et nous sommes sans panique en cas de malheur, comme notre frère Job. 9.1 Veillez à la contre-attaque. Quand vous combattez, ne pensez pas que Satan va vous applaudir pour avoir détruit ses œuvres et ses installations. Il prépare la contre-attaque sans perdre le temps. Nous devons donc veiller à contrecarrer ses contre-attaques avant même qu'il ne les envoie. Pour cela, quand vous menez un combat, comme vous savez déjà que Satan enverra ses flèches et ses démons contre vous en retour, vous engagez directement un autre combat pour frapper par le feu de Dieu les démons qui seront envoyés contre vous, et vous retournez sans attendre les flèches qui seront envoyées contre vous. Vous les retournez sur ceux qui vont les envoyer, en ordonnant qu'ils soient détruits par leurs propres flèches, et qu'ils tombent même dans les pièges qu'ils nous ont tendus. 9.2 Le découragement. N'oubliez pas qu'une autre redoutable arme de Satan contre nous, c'est le découragement. Frappez constamment les démons de découragement, et ne vous laissez pas prendre au piège du découragement. Peu importe la situation que vous traversez, peu importe les difficultés que vous endurez, ne cédez pas au découragement. Retenez que c'est l'Éternel notre Dieu qui a le dernier mot. Même s'il vous arrive de commettre des péchés devant Dieu, ne vous laissez pas emporter par le découragement. Le Seigneur est le seul qui justifie. Qui accusera les élus de Dieu C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Romains 8, 33-34. Pleurez devant Dieu, confessez vos péchés, et remettez-vous dans le combat. Satan fait toujours tous ses efforts pour nous pousser à bout de nos forces, gardez cela en esprit. Mais, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Romains 8h35. La Bible dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en luttant contre le péché. Hébreux 12h4. Dis ce qui sont nos ennemis. Ne tombez pas dans le piège quand vous parlez de combat spirituel, de mal interpréter les paroles du Seigneur qui disent Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Matthieu 5, 44. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger s'il si a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Romains 12, 20. Quand le Seigneur parle d'ennemi ici, il ne parle pas de Satan et ses esprits méchants, il parle des hommes charnels qui très souvent sont nos ennemis. Le Seigneur ne vous demandera jamais d'aller bénir Satan et ses démons, ni de leur faire du bien. Il ne vous demandera non plus de donner à manger à Satan et à ses démons. Sachez donc bien comprendre le sens de la parole de Dieu. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ephésiens 6h12. Ceux que le Seigneur considère comme nos ennemis que nous sommes supposés bénir sont la chair et le sang comme nous l'avons mentionné plus haut. Par contre nous devons lutter contre tous les autres ennemis cités. D'où la nécessité du combat spirituel. 11. Quelques versets. Pour ce qui est des passages de la parole de Dieu concernant la prière de combat, vous en avez suffisamment dans la Bible, surtout dans les psaumes. Voici quelques-uns que nous avons sélectionnés pour vous. Psaume 5h11, frappe-les comme des coupables, ô oh Dieu. Que leur dessein amène leur chute. Précipite-les au milieu de leurs péchés sans nombre. Car ils se révoltent contre toi. Psaume 7h77, lève-toi, ô Éternel. Dans ta colère, lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir, ordonne un jugement. Psaume 28, 4 rends leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains. Donne-leur le salaire qu'ils méritent. Psaume 40, 15-16 Que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever. Qu'ils reculent et rougissent, ceux qui désirent ma perte. Qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte, ceux qui me disent « Ah Ah !» Psaume 58, 7-9 Ô oh Dieu, brise-leur les dents dans la bouche. Éternel, arrache les mâchoires des lionceaux. Qu'ils se dissipent comme des eaux qui s'écoulent. Qu'ils ne lancent que des traits émoussés. Qu'ils périssent en se fondant, comme un limaçon. Psaume 59, 14 Détruis-les, dans ta fureur, détruis-les, et qu'ils ne soient plus. Qu'ils sachent que Dieu règne sur Jacob, jusqu'aux extrémités de la terre. Psaume 71, 13 Et qu'ils soient confus, anéantis, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils soient couverts de honte et d'opprobre, ceux qui cherchent ma perte. Psaume 83, 14-19 ô oh mon Dieu. Rends-les semblables aux tourbillons, aux chaumes qu'emporte le vent, au feu qui brûle la forêt, à la flamme qui embrase les montagnes. Poursuis-les ainsi de ta tempête, et fais-les trembler par ton ouragan. Couvre leur face d'ignominie, afin qu'ils cherchent ton nom, ô éternel. Qu'ils soient confus et épouvantés pour toujours, qu'ils soient honteux et qu'ils périssent. Qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Psaume 86, 17 Opère un signe en ma faveur. Que mes ennemis le voient et soient confus. Car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. Psaume 119, 78 Qu'ils soient confondus, les orgueilleux qui m'oppriment sans cause. Moi, je médite sur tes ordonnances. Psaume 140, 9-11 L'Éternel, n'accomplit pas les désirs du méchant, ne laisse pas réussir ses projets, de peur qu'il ne s'en glorifie. Pause. Que sur la tête de ceux qui m'environnent retombe l'iniquité de leurs lèvres. Que des charbons ardents soient jetés sur eux. Qu'ils les précipitent dans le feu, dans des abîmes, d'où ils ne se relèvent plus. Psaume 141, 10 que les méchants tombent dans leurs filets, et que j'échappe en même temps. Psaume 144, 6 fait briller les éclairs, et disperse mes ennemis. Lance tes flèches, et mets-les en déroute. Lamentation 3, 64-66 Tu leur donneras un salaire, ô éternel. Selon l'œuvre de leurs mains, tu les livreras à l'endurcissement de leur cœur, à ta malédiction contre eux, tu les poursuivras dans ta colère, et tu les extermineras de dessous les cieux, ô Éternel. 12. Les déviations. Au nom du combat spirituel, toutes les folies possibles sont pratiquées de nos jours, et je trouve judicieux de ne pas clore cet enseignement sans m'attarder sur ce point. De plus en plus de nombreux sorciers se font appeler pasteurs, évangélistes, prophètes, apôtres et autres. Il profite de la misère de la population pour la soumettre à toutes les tortures possibles, sous prétexte de la délivrer, ou de l'entraîner au combat spirituel. Satan, une fois de plus, passe par ses démons en chair, pour semer la confusion dans le travail de Dieu. Il y a tellement de cafouillages de nos jours que plusieurs de ceux qui cherchent Dieu ne savent plus où aller, ni qui est pasteur et qui ne l'est pas. En ces fins de temps, Satan a demandé à ses démons de se déguiser en pasteur et de se multiplier en très grand nombre, pour opérer vite, car leur temps est fini. Et avec beaucoup de séduction et d'incantation, ces fils de la perdition réussissent à aveugler des milliers de personnes qui les suivent dans toutes leurs pratiques abominables sans réfléchir. Il y a même une grande secte pentecôtiste qui a carrément pris comme dénomination le combat spirituel. Cette secte avec à sa tête une Jézabel est devenue un autre instrument puissant entre les mains de Satan pour le recrutement de nouveaux agents et pour l'initiation de plusieurs femmes à la sorcellerie. Si c'est réellement Dieu que vous cherchez, Sortez de tous ces clubs sataniques qui passent leur temps à vanter la puissance. Si vous courez après la puissance, vous vous retrouverez dans le monde des ténèbres. Quand vous parcourez les villes aujourd'hui, vous êtes dépassé par les types d'enseignements et de pratiques dans les églises. Les pasteurs de Satan ont transformé les églises en des centres de recrutement pour Satan. Ils enseignent des bêtises à ceux qui les écoutent, et les poussent à la folie pour ouvrir des grandes portes à Satan. Ils entraînent les fidèles, qui en majorité ne sont même pas baptisés dans l'eau, dans ce qu'ils appellent le combat spirituel. Et lors de ces soi-disant combats, vous les entendez crier Satan, je te taille, taille en faisant de grands gestes comme pour le tailler. Dans d'autres milieux, l'on frappe des sandales contre le sol, sous prétexte d'être en train de frapper les ennemis. Dans d'autres milieux encore, l'on bat les mains, à l'image de donner des soufflets aux ennemis. Dans d'autres, tu entends des expressions de folie telles que Satan, je te fais boire le sang de Christ, je te jette dans la mer, je t'envoie dans les profondeurs de la terre, je te purge avec le sang de Jésus, je te purge avec du piment très rouge, etc. On rencontre aussi des fous qui disent à Satan Satan, t'es dans son jaune, Satan, ta bouche sans mauvais, etc. Voilà ce que les sorciers font dans des églises aujourd'hui et appellent combat spirituel. Vous rencontrez aussi des milieux, où les sorciers se cachent derrière la délivrance pour initier des milliers de personnes à la sorcellerie. Lors de la délivrance, ils demandent aux gens d'aspirer l'air de toute leur force au point d'uriner sur eux, ou de faire leurs besoins sur eux, ou de vomir, ou de tomber, etc. Après cette étape, les sorciers viennent, les font tourner sur eux-mêmes, les yeux fermés, en les tapant sur la poitrine et simultanément sur le dos, et font tout pour les faire tomber, car c'est là le signe qui selon eux prouve que ces gens sont délivrés. D'autres sorciers pour prier pour les malades, leur disent que s'ils ont la foi que Dieu peut les guérir, qu'ils fassent cette fois le tour de la cour en courant. Cela fait d'autant pitié que l'on voit de vieilles personnes sans force en train de courir dans la cour. Un autre sorcier appelé prophète envoie partout des chewing-gums en provenance du Ghana, qu'il appelle chewing-gum missiles en promettant aux ignorants qui les reçoivent que s'ils mâchent un seul de ces chewing-gum missiles, c'est un missile qu'ils envoient dans le camp de leurs ennemis. Il y a d'autres sorciers qui utilisent des ventilateurs pour faire la délivrance des gens. Ils trompent les ignorants en leur disant que l'air qu'émettent ces ventilateurs va chasser leurs démons. Ces pauvres niais sont donc appelés à tomber dès que l'air du ventilateur souffle sur eux. D'autres aussi tracent un trait au sol à l'aide d'une craie et demandent aux malades de franchir le trait pour avoir la guérison. Dans la grande secte appelée Église universelle, les sorciers vendent de l'huile qu'ils prétendent venir d'Israël, et ils utilisent les balais, pour chasser les mauvais esprits dans la maison, la photo, pour prier pour une personne qui est loin ou qui ne peut pas se déplacer vers eux, le sel, pour que ton mari t'aime, Etc. Devant leur temple, il est écrit Arrêtez de souffrir, venez, une vie meilleure vous attend. D'autres sorciers, pour démontrer leur puissance, créent une scène un peu semblable à l'histoire de la femme qui, dans la Bible, avait une perte de sang et qui fit des efforts pour braver la foule pour toucher Jésus. Ces sorciers créent une situation similaire, se font entourer de plusieurs jeunes gens en guise d'obstacles, et demandent aux malades qui veulent la guérison de tout faire pour se faufiler parmi ces obstacles et les toucher nous avons suivi un autre enseignement qui recommande aux gens de manger beaucoup de viande pour être forts dans le combat spirituel si cet enseignement était vrai que feraient ceux qui ne peuvent pas s'offrir de la viande n'oubliez pas que la viande reste encore un luxe pour plusieurs millions de personnes ce n'est pas en mangeant beaucoup de viande qu'on est fort dans le combat spirituel c'est plutôt en jeûnant et en priant plusieurs autres sectes comme les catholiques et les églises dites évangéliques demandent aux fidèles de venir avec des litres d'eau pour qu'ils prient dessus pour en faire de l'eau bénite et vous voyez des fidèles traîner des gourdes et des bidons d'eau qu'ils vont faire bénir, et cette eau sera précieusement gardée dans leur maison, pour des pratiques selon les recommandations qui leur sont données. D'autres sectes utilisent l'huile abusivement, à des fins de sorcellerie. Il y a même des pasteurs sorciers qui vendent des médicaments chinois dans leurs assemblées, sous prétexte de venir en aide à ceux qui souffrent. Toutes les méthodes sont bonnes pour les agents de Satan aujourd'hui, pour initier les gens à la sorcellerie. Ces démons mentent aux fidèles en leur disant que ce médicament guérit toutes les maladies. Ils s'enrichissent de cette manière sur le dos des pauvres et misérables fidèles. Ils ont créé des réseaux de marketing pour la commercialisation de ces produits, et promettent aux vendeurs des récompenses allant des grosses Mercedes au bateau, en passant par des maisons. D'autres démons pasteurs font actuellement des affaires de placement d'argent, et promettent aux fidèles des taux d'intérêt qu'aucune banque au monde ne peut pratiquer. Des taux allant parfois à 200% en quelques mois. Ils courent même après les païens pour leur proposer leurs affaires alléchantes. L'évangile de Satan appelé évangile de prospérité que les sorciers prêchent aujourd'hui, est une arme puissante avec laquelle Satan a capturé les cupides et tous ceux qui s'attachent aux choses du monde. 13. Les témoignages. 13. Les pasteurs qui signent des pactes avec Satan pour devenir célèbres. Lors de l'un de nos passages en Afrique de l'Ouest, quelques pasteurs nous ont partagé ce triste témoignage que je voudrais partager avec vous. Il s'agit de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire il n'y a pas très longtemps. Plus d'une cinquantaine de pasteurs, ceux qui sont reconnus partout comme grands hommes de Dieu, avec des églises de milliers de fidèles, ont été dénoncés par certains grands prêtres vaudous. C'est en fait chez ces grands prêtres du vaudou que ces soi-disant grands pasteurs fondateurs, très puissants et très célèbres, sont allés chercher la sorcellerie pour attirer la foule dans des églises. Pour arriver à leur fin, certains, sous recommandation de ces prêtres de Satan, ont enterré des bosses de personnes bossues sous leur temple pour avoir un contrôle parfait sur chaque membre de l'église. D'autres ont enterré un cheval blanc sous le temple avant sa construction pour avoir un pouvoir total de contrôle et de séduction sur tous les fidèles, etc. C'est pour cela que quand on prêche la vérité à plusieurs personnes aujourd'hui, elles reconnaissent la vérité, mais se trouvent incapables de quitter leurs fausses assemblées aux pratiques pourtant bien pourries, et visibles aux yeux de tous. C'est parce qu'elles sont liées par les incantations qui ont été faites dans ces lieux de culte satanique, par ces satanistes que l'on appelle par ignorance pasteur. Quand j'ai demandé au pasteur qui nous expliquait ce témoignage comment ces sorciers avaient fait pour se procurer les bosses des bossus, ils ont expliqué que ce sont les prêtres vaudous eux-mêmes qui généralement les aident à obtenir ces choses en allant dans des cimetières, creuser des tombes qu'ils ont déjà localisées comme hébergeant les restes des personnes qui de leur vivant étaient bossues. Ces pasteurs sorciers avaient reçu le pouvoir de donner des maladies aux femmes, telles que la stérilité, les fibromes et autres diverses maladies fréquentes chez les femmes. Et quand ces femmes étaient confirmées malades, ils avaient encore la possibilité de les guérir par leur sorcellerie, et tout ceci était placé sur le compte des miracles et des guérisons miraculeuses. Regardez quel niveau d'abomination les pasteurs sorciers atteignent, dans le but d'attirer la foule. Retenez encore une fois de plus que toutes les soi-disant grandes églises sont des églises de Satan basées sur la sorcellerie et d'autres pratiques que l'on ne saurait nommer. Et cet exemple n'est pas propre à l'Afrique de l'Ouest, c'est ce qui se passe dans le monde entier. Vous comprenez alors bien que le combat spirituel est vraiment rude, et les enfants de Dieu doivent se lancer dans le combat pour libérer tous ceux-là qui se retrouvent dans ces différentes chaînes sataniques. Plusieurs pasteurs serviteurs de Satan, pour s'attirer la foule aujourd'hui, complotent avec des païens et autres agents de Satan, et leur donnent des fortes sommes d'argent, en leur demandant de venir dans leurs églises pour jouer soit aux boiteux, soit aux aveugles, soit aux gens ayant de graves maladies. Ces malades imaginaires vont donner l'impression après la soi-disant prière qui sera faite, qu'ils sont guéris ou délivrés, ou qu'il y a eu un miracle. Ces sorciers sèment tellement de confusion dans le travail d'évangélisation que les gens regardent avec suspicion même les vrais cas de miracle ou de guérison. Nous vivons les derniers temps, ne soyez pas très étonnés. Équipez-vous plutôt pour le combat spirituel. 13.2 La fleur artificielle. Un frère s'est retrouvé un jour dans une église universelle où l'on distribuait à chaque fidèle une fleur artificielle. Selon les dirigeants de cette structure, cette fleur servirait dans les maisons, à aspirer tous les mauvais esprits, les impuretés, les sorts, les envoûtements, etc. Chaque fidèle devait, après un temps donné et selon les instructions reçues, leur retourner la dite fleur, pour qu'ils en chassent les mauvais esprits capturés. 13.3 Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Certains dirigeants de soi-disant camps de prière demandent aux participants de prier en remuant toutes les parties de leur corps sous prétexte que toutes ces parties respirent et doivent participer à la prière faite. On les voit donc en train de prier en secouant la tête, en remuant les bras, les jambes, etc. 13.4 Les techniques de délivrance. Pour la délivrance, certains dirigeants utilisent ce qu'ils appellent des pointes spirituelles qu'ils enfoncent avec un marteau spirituel dans la tête de la personne pour qui ils prient sous prétexte de châtier un démon têtu, afin qu'il sorte. Et l'on entend le soi-disant démon que l'on veut chasser hurler, Ne me pointe pas, je vais sortir. Quelle comédie. D'autres dirigeants enseignent la manière dont il faut poser des garrots spirituels si l'on veut qu'un démon sorte par un endroit bien précis du corps. Pour le démon mystère qui se promène dans tout le corps, il faut poser plusieurs garrots. Ces sorciers disent au supposé démon, monte au niveau du ventre. Je pose un garrot au niveau du bas ventre pour que tu n'y redescendes plus, et ainsi de suite jusqu'à ce que selon eux, le supposé démon sorte par la bouche ou par les doigts. D'autres encore, pour mieux combattre disent ceci, Satan je t'attrape et je te mets devant moi, je t'envoie des coups de poing au nom de Jésus. Je te frappe au nom de Jésus, je casse ton pied, je te paralyse, je te tape dans le ventre. Pour eux, c'est une vraie bagarre avec Satan et qu'ils mènent au nom de Jésus. 13.5 Les armes physico-spirituelles. Dans certaines assemblées, les soi-disant chrétiens combattent en disant Je prends maintenant mon fusil, ma lance-roquette, etc. Et, en imitant les soldats de guerre, ils émettent eux-mêmes les différents bruits que peuvent produire les armes. Imaginez le désordre. L'on croirait écouter un parler en langue, mais quand on prête attention, on comprend clairement qu'ils sont en train de combattre charnellement contre les démons. Ils s'imaginent avoir des armes en main, tout en émettant le bruit des balles par la bouche. Le spectacle fait vraiment croire à des armes physiques qu'ils auraient entre les mains, eu égard à la position qu'ils adoptent. 13.6 L'action prophétique. Il y a des assemblées où les soi-disant hommes de Dieu demandent aux fidèles d'apporter du sable. Ils prient sur ce sable, dans le but d'en faire un élément de destruction de tous leurs ennemis. Ils disent que si ces ennemis se déplacent comme eux sur la terre, si c'est des personnes physiques, ils mourront. Sinon, ils échapperont. Ils tuent donc les personnes physiques en protégeant leurs frères les démons. D'autres par contre demandent aux fidèles lors des veillées, à minuit de se mettre en rang et de parcourir tout le quartier pour gagner des âmes. Selon eux, c'est une action prophétique qui permettra au Seigneur de délivrer le quartier et d'attirer le cœur des habitants du quartier dans l'église. Chaque pas posé correspond à une âme qui sera attirée dans cette église. Certains sorciers vont plus loin en demandant aux fidèles d'apporter des mouchoirs afin de réaliser des gris-gris spirituels qu'ils déposeront dans divers endroits, pour les commerçants dans leurs lieux de commerce, pour les élèves dans leurs sacs d'école, pour les travailleurs dans leurs bureaux à des endroits spécifiques. Cela servira d'après ces pasteurs à accorder à leurs fidèles des réussites étonnantes qui ne sauraient être obtenues sans ces gris-gris. D'autres se basent sur l'histoire de Jéricho pour dire à leurs fidèles de compter jusqu'à sept, puis de pousser des cris de joie, de délivrance et de victoire. Et d'après ces sorciers, si les fidèles ont la foi, ils auront leur délivrance tant attendue. Alors, on les entend hurler de toute leur force, certains d'entre eux portant des chaises sur leur tête en criant. Le groupe musical fait de grands bruits avec ses instruments, les enfants aussi font le plus de désordre possible. Cette pratique varie selon les églises, au lieu de crier, on demande aux fidèles de danser longtemps pour avoir la délivrance à l'image de Jéricho, ou d'acclamer la présence de Jésus-Christ avec beaucoup de cris. En le faisant, la malédiction, la pauvreté et autres liens tomberaient en fonction de leur foi. Même quand ils sont essoufflés, ils doivent continuer jusqu'au signal d'arrêt du dirigeant. 13.7 La démonologie. D'autres sorciers se lancent dans l'étude des démons, leur nom, leur place dans le gouvernement de Satan, leur localisation, leur manifestation quand ils rentrent dans une personne et les différentes portes par lesquelles ils doivent sortir. Ils expliquent tout cela par écrit, sur une fiche qu'ils remettent à chaque personne devant être délivrée par une cure d'âme. Ils leur vendent cette fiche à une certaine somme et la délivrance aussi à un prix qui varie selon les cas de possession. Ils leur enseignent que la délivrance par la cure d'âme est incontournable et est renouvelable tous les trois mois. Même les pasteurs doivent y passer. Eux ils vont soit chez ceux qui les ont consacrés ou dans des camps de prière, souvent au Ghana, etc. Quelles sont nos armes dans le combat? Nos armes dans le combat. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. 2 de Corinthiens 10h4. 14.1. Les mains purlevées. La Bible nous dit dans un Timothée 2h8 Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Les mains levées sont donc des instruments de combat assez importants. Quand les vrais enfants de Dieu lèvent les mains pures, l'effet se fait ressentir dans le monde spirituel. 14.2 L'huile. Le Seigneur a mis l'huile à notre disposition, et nous sommes libres de l'utiliser pour plusieurs raisons. L'utilisation de l'huile n'est pas restreinte dans la Bible, ceci veut dire que chaque enfant de Dieu doit se sentir libre d'utiliser l'huile selon qu'il le veuille, que ce soit pour soindre et prier si les malades, ou pour oindre sa maison ou ses effets, etc. Mais aujourd'hui, les agents de Satan ont introduit d'autres pratiques sataniques en se servant de l'huile plutôt pour initier les gens. Il y a des sectes qui prescrivent un genre d'huile bien précis aux fidèles, d'autres demandent aux fidèles de venir avec de l'huile pour qu'ils la purifient, et leur prescrivent ce qu'ils doivent faire avec cette huile dite purifiée, d'autres encore demandent aux fidèles de boire de l'huile, à des heures bien déterminées, en récitant certains versets du livre des Psaumes, etc. Fuyez toutes ces pratiques sataniques, et sortez de toutes ces sectes sataniques. Sachez qu'en matière d'huile, vous devez utiliser l'huile de votre choix, surtout l'huile que vous avez à votre disposition, et non pas vous endetter pour acheter des huiles chères, comme les sorciers vous le prescrivent. Des sorciers cupides en ont fait un grand commerce aujourd'hui. Ils vendent des huiles sataniques aux fidèles en les trompant que ces huiles viennent d'Israël. 14.3 où le sang de Jésus, le nom de Jésus, et le feu de Dieu. Le sang de Jésus, le nom de Jésus, et le feu de Dieu, sont autant d'armes que l'enfant de Dieu a à sa disposition pour le combat de chaque jour. Les agents de Satan font souvent l'effort de créer la confusion dans l'esprit des enfants de Dieu ignorants, au sujet de l'utilisation du feu de Dieu dans le combat. Pour mettre fin à la séduction de ces démons, j'ai jugé mieux de traiter ce sujet de manière complète dans un enseignement à part, intitulé Le feu de Dieu, que vous trouverez sur le site www.macreveille.org. Je vous le recommande. 14.4 La louange et l'adoration. La louange est aussi une arme très efficace pour le combat. Sachez que chaque fois que vous louez Dieu, c'est un grand combat que vous menez, surtout quand vous le faites d'un cœur pur. Appliquez-vous donc à la louange et à l'adoration, en chantant des cantiques spirituelles au Seigneur. Organisez votre vie chrétienne de manière à passer assez de temps dans la louange. Vous n'avez pas besoin d'être en assemblée pour louer Dieu. Chaque enfant de Dieu doit avoir ses propres moments de louange en dehors des moments de louange passés en assemblée. Et généralement quand vous louez Dieu avant de vous coucher, vous avez un doux sommeil, c'est-à-dire un sommeil sans attaque démoniaque. 14.5 La parole de Dieu. Citer la Bible pendant que vous combattez ou que vous priez est une arme très puissante. Satan redoute sérieusement la parole de Dieu. Veillez donc à citer les versets de la Bible correspondant au combat que vous êtes en train de mener. 14.6 Attention aux armes charnelles. Comme nous l'avons signalé dans le chapitre sur les déviations, pendant que certaines sectes sataniques prescrivent des objets de différentes sortes à leurs fidèles pour le combat spirituel il y a quelques ignorants pasteurs qui prescrivent à leurs fidèles de manger beaucoup de viande pour être forts dans le combat spirituel faites attention à tous ces mensonges retenez que le combat spirituel est bel et bien spirituel et aucun objet charnel quel qu'il soit ne vous sera d'aucune utilité de même aucun type de nourriture ou de viande ne vous est utile dans le combat spirituel c'est le contraire de cette prescription qui est vraie c'est dans le jeûne et la prière que le vrai combat spirituel se mène. Fuyez tous ceux qui vous prescrivent ce genre de folie. Homme de Dieu, nous sommes à la fin de l'enseignement sur le combat spirituel. En guise de conclusion, que pouvez-vous dire aux internautes et aux frères et sœurs à travers le monde 15 Conclusions. Chers frères, le combat spirituel ne doit pas être perçu comme un sujet à part, mais plutôt comme faisant partie de notre vie de pèlerin. Ne négligez donc pas le combat spirituel. Mais veillez à ce qu'il ne soit pas un sujet d'orgueil pour vous, et qu'il ne soit pas non plus un élément de séduction. Le fait de chasser les démons ou d'avoir quelques victoires dans le combat n'est pas une preuve que vous craignez Dieu, ou que votre vie est en règle devant Dieu, ou même que le ciel est ouvert devant vous. Le combat tel que nous venons de l'étudier, est une chose difficile et délicate, et pour être victorieux, les enfants de Dieu doivent réellement faire l'effort de renoncer à eux-mêmes, et de s'accrocher à la vérité. Je me suis efforcé dans cet enseignement de vous donner le maximum d'éléments sur le combat spirituel. Toutefois, il y a quelques points du combat que j'ai choisi de ne pas développer, par souci de ne pas exposer les enfants de Dieu, qui malgré toutes les mises en garde que j'ai faites, pourront toujours s'aventurer dans le camp de Satan et se faire détruire. Le fait de ne pas développer ces points sur le combat n'est pas une manière de retenir la vérité captive, mais plutôt le souci de protéger ou de préserver ceux qui ne savent toujours pas établir une différence entre leurs ailes, très souvent non canalisé et la connaissance des choses de Dieu. J'ai néanmoins la ferme conviction que le Saint-Esprit vous le révélera s'il vous juge prêt à mener ce genre de combat et être victorieux. Plusieurs fois les frères après avoir suivi les enseignements ont été frappés par la doctrine du Seigneur Jésus-Christ et m'ont demandé qui j'étais et pourquoi cette vérité était restée cachée jusqu'à présent. Certains n'hésitent pas à dire que je suis comme le Seigneur Jésus. À cela je voudrais apporter quelques précisions, sachez bien aimer, Qu'un simple instrument ne saurait être comme celui qui l'a fait. Jésus-Christ est le seul maître, et je ne suis qu'un instrument parmi de nombreux qu'il choisit d'utiliser. Je trouve donc prétentieux d'accepter d'être considéré comme le Maître. Je sais que la parole de Dieu nous dit dans Luc 6h40 que tout disciple accompli sera comme son maître. Mais même si le Seigneur pouvait me considérer comme un disciple accompli, je me garderai toujours de croire que je suis comme lui. Pour ceux parmi vous qui voudraient aussi savoir qui je suis, Ma réponse a toujours été la suivante Je ne suis que votre frère, un enfant de Dieu comme les autres. Je ne suis qu'un pauvre mortel. Je ne suis rien de spécial, juste quelqu'un que Dieu, dans son grand amour, a choisi de compter parmi ses nombreux serviteurs. En ces temps de la fin, j'ai eu le privilège d'être choisi par Dieu pour être comme notre frère Jean-Baptiste le disait la voix de celui qui crie dans le désert. Le combat n'a pas été facile, mais Jésus-Christ, mon bouclier, m'a toujours secouru. Plus l'ennemi a intensifié ses attaques, plus le Seigneur a renforcé sa garde autour de moi. Je dirige toutes les circonstances de ta vie. Cette parole que l'Éternel m'avait dite au début de mon ministère a été le précieux élément qui, dans tous les moments difficiles, m'a donné le courage d'avancer et l'entrain nécessaire pour tenir ferme. Les témoignages, le Seigneur m'en a suffisamment donné, de quoi faire plusieurs livres, si je tenais à les raconter. Les tribulations, j'en ai reçu, les épreuves, j'en ai testé. Les attaques, je n'en ai pas été épargné, il y en a eu suffisamment. Plusieurs fois Satan a envoyé ses agents me tendre des pièges. Certains agents de Satan se sont déplacés d'un continent à l'autre, pour m'attaquer. D'autres ont traversé plusieurs pays, juste pour accomplir la mission de Satan. Il y a même des agents de Satan téméraires et déterminés, qui ont déménagé de leur pays, pour s'installer dans le mien, et précisément dans la ville où je vis, pour me combattre de plus près. Ceci nous permet de comprendre avec quel sérieux Satan combat ceux que Jésus-Christ s'est choisis. Nous voyons là avec quel engagement le camp de Satan se mobilise chaque fois qu'il y a un grain de lumière dans le monde, pour l'éteindre. Les satanistes peuvent revendiquer quelques victoires sur nous, mais sachez toujours que leurs victoires sur nous sont éphémères, alors que les nôtres sur eux sont éternelles. Le Seigneur Jésus-Christ notre Maître et notre Dieu, est le plus fort, et le feu de l'enfer attend Satan et ses agents, pour l'éternité. Alléluia comme mon frère Paul, je peux par la foi dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. 2 Timothée 4 7-8. De tout mon cœur je rends grâce à Jésus-Christ mon confident, qui m'a soutenu et m'a gardé là. De tout mon cœur je rends grâce à Jésus-Christ mon confident qui m'a soutenu et m'a gardé dans ce pénible combat, et qui m'a accordé la grâce d'accomplir la tâche qu'il m'a confiée. Je peux maintenant sans réserve, crier ⁇ Amen !⁇ Viens, Seigneur Jésus, en entonnant ce refrain. Bientôt à Dieu, chose mortelle. Loin de vous je prendrai des ailes. Vers les demeures éternelles. Vers Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur. Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Frères et sœurs, c'est tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous afin qu'une âme puisse être sauvée et restaurée. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne animation chrétienne et édification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu te bénisse.